Stand now for the Holy Communion. We call our dear pastor for the rest of the program. May God bless. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Peuple de Dieu, vous êtes vivant. Hallelujah. People of God, are you alive? Amen. Ou bien c'est parce que moi-même mon alléluia n'est pas trop vivant. Alléluia! Amen. C'est ce que tu donnes que tu reçois, non? What you give is what you get back. Donc vous m'avez redonné ce que je vous ai donné. So you gave me back what I gave you. Alléluia! Amen. Amen. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. In the precious name of our Lord Jesus. Que la gloire de l'Éternel nous visite encore ce matin comme d'habitude. Visit us this morning as always. Et accueillir les invités, ceux qui sont là pour la première fois. Those who are among us for the first time. Soyez bénis. You are blessed. Nous sommes contents de vous voir. Nous sommes contents de vous avoir. We're happy to have you. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. J'aimerais un peu demander la permission. I would like to ask for permission. Pour continuer ce programme to continue this avant Pentecôte en français, in French, parce qu'il serait question du Saint-Esprit. Because it's about the Holy Spirit. J'aimerais vraiment être un peu libre, and I would like to be free, dans ma façon de parler, in my way dans of ma speaking, façon de prier, de conduire praying, et d'enseigner, leading and teaching, dans ma langue, in my own tongue. Y a un qui dit donc vous n'étiez pas libre avant. Somebody says so you were not free before. Alléluia. Amen. Comme l'anglais n'est pas ma première langue. Since English is not my first language. Ça fait que quand je veux parler, il faut réfléchir pendant longtemps. It makes it that longtemps. I have to think for a long time before et speaking. Ça ne coule pas comme. And it doesn't flow. Je voulais. As I would like it to flow. C'est là que je me performe. But over time, I will get better. Est-ce que j'ai votre permission? Do I have your permission? Yes. Amen. Alors, ce matin, this morning, nous allons nous préparer pour we are going to prepare rentrer, to enter, avoir ce moment de communion, have this time of communion avec le Seigneur Jésus. With the Holy Spirit and the nous Lord sommes Jesus. Dans le livre de Jérémie, we are in the book of Jeremiah, chapitre 31. Chapter 31. Jérémie, chapitre 31. Jeremiah, chapter 31. Si vous y êtes, if you are there, nous allons lire la parole de Dieu. We will read the word of God. Jérémie 31, Jeremiah 31, 31. So, chapter 31, verse 31. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. 32. Verse 32. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Amen. Je suis dans le livre de Hébreux. I am in the book of Hebrew. Chapitre 8. Hebrew chapter 8. À partir du verset 7. Starting verse 7. Hébreu. Hebrew. 8, 7. En effet, 8, verse 7. Si la première alliance avait été sans défaut,
il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Je suis dans le chapitre 9 maintenant. And I go to chapter 9. Toujours Hébreu. Hebrew, chapter 9. À partir du verset 1er. Verse 1. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Verset 4. Renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or, il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Let us be seated in the presence of the Lord. La vie est à propos d'alliance. Life is about covenant. Relation est à propos d'alliance. Relationships are about covenant. Toute relation sérieuse. All serious relationships. Toute relation qui se veut sérieuse. All relationship that is serious. Toute connexion. All connections. Toute communion. All communion. Qui se veut sérieuse. That is serious. Il faut forcément le mot alliance. Needs to have the word covenant with it. Une amitié qui se veut sérieuse. A serious friendship. Il faut qu'elle passe au-delà. Go through de la fidélité faithfulness pour aller au mot alliance. The word covenant. Je suis fidèle à toi, tu es fidèle à moi, you, c'est bon. Me, it's good. Mais le highest one, le plus suprême, the higher level, c'est l'alliance. Is the covenant. Dieu avait des relations avec le peuple. Had relationship with the people, avec le peuple d'Israël. With the people of Israel. Il communiait. He had communion. C'est son peuple with choisi. It was his chosen. Il a dit people à Moïse de dire à Pharaon, to tell Pharaoh, fais attention. Be careful, car Israël, because Israel, c'est mon premier-né. He's my firstborn. Ne t'amuse pas. Do not mess si around tu veux toucher, tu t'amuses pour toucher ça, je vais te frapper. Touch them, I will, Dieu frappe par I will strike you, and et il God a frappé strikes Pharaon, ses premiers-nés. Si tu touches à mon premier-né, firstborn, je touche à ton premier-né. I will touch your Pharaon a refusé. Pharaoh il a touché. Refused, he touched, et Dieu a touché aussi. And God touched as well. Peuple de Dieu, people of God, là où il y a une relation where there is relationship, beaucoup plus sérieuse, that is serious, il faut qu'on voit apparaître you have to see l'alliance. The alliance, the l'ancienne alliance the old covenant, qui était faite par le sang des boucs. Made by the blood of sheep. D'Exode 12 que from nous connaissons, 12 that we know, c'est ce sang de bouc qui a permis that has allowed la délivrance, the deliverance, le salut and salvation, après 430 années d'assujettissement. Of slavery, d'asservissement. Of slavery, et Jérémie vient maintenant au verset 31 du chapitre 31. In chapter 31, et il nous dit and he tells us, les temps vont venir, times will come, les jours vont venir, days will come, que je vais faire une nouvelle alliance. A new covenant. Cette nouvelle alliance this sera new covenant exceptionnelle. Will be exceptional. Et cette nouvelle alliance, this new covenant, au lieu qu'il parle d'alliance de sang, de bouc, instead of blood of sheep, d'animaux, and of animals, ça sera le sang humain. It will be human blood. C'est très sérieux. It is very serious. Voilà pourquoi dans le mariage, this is why in a wedding, on parle d'alliance. We talk about covenant. L'acte sexuel, c'est une alliance. The sexual act is an alliance, une alliance a covenant de sang. Of blood. Une amitié qui se veut it plus is fidèle. Au-delà du mot fidèle, a friendship il faut que ça aille à l'alliance qui est faite par le sang. Covenant made c'est by pour blood, cela qu'à chaque fois which is why every time tu as un rapport sexuel you have a sexual avec relationship un homme ou une femme, with a man or a tu woman, as fait une you alliance. Have made a covenant with them. C'est comme ça. That is how it is. Tu as eu 10 copines, if you had 10 relations sexuelles, 10 fois tu t'es fait une alliance. Ten times you l'alliance had a covenant de sang.
the covenant of il est blood, perpétuel. It is perpetual, it's eternal. Là où vous voyez réellement une alliance, where you see an alliance, s'il n'y a pas covenant, de sang, if there's no blood, il n'y a pas d'alliance. It's il y a, not a true il y a covenant. Aucune alliance there's sans no sang. Covenant without blood. Aucune alliance qui existe no, sans the covenant sang. That exists is without blood. Parce que le sang est précieux. Because blood is precious. Le sang aussi parle. Blood speaks. Genèse 4 nous a dit. Genesis 4 tells us. Le sang de Abel parlait et criait au-delà. Ça atteignait jusqu'à Dieu. And it reached le to sang God. Innocent de Uri aussi. The blood of Uri. Criait aussi. Jusqu'à Dieu. C'est pour cela God. Que vous voyez à quiconque arrive to à toucher et répandre le sang innocent, can shed innocent blood, il faut qu'il sache he has to même know s'il se repent, that even if he la repents, sanction divine va tomber. There will be c'est inévitable. A punishment ne pensez pas come. Que quand vous versez un sang if innocent de quelqu'un, the innocent blood of les somebody, avortements, by abortion, même si vous partez vous confesser, even if you confess Dieu your va sin, vous pardonner, oui, God will forgive you, mais il yes, y aura une sanction. But there will be a punishment. Il a dit ça à David. And he told that to David, David, je te pardonne, oui. David, I forgive you, yes. Mais la sanction, c'est que le fils but de Bathsheba qui était né, that son of Bathsheba that was born will je te pardonne, die, mais je te tape. I forgive you, je te pardonne, but I mais je te sanctionne. You. I forgive you, si but vous I voyez punish tous les chefs d'État qui versent le sang innocent, that have shed qui répand le sang innocent, ça ne reste jamais impuni. It will never jamais, stay jamais, jamais, parce que le sang parle. Speaks. On ne touche pas au sang you do not touch innocent. Blood of an innocent person. Suivez-moi très bien. Follow me carefully. Parce que c'est une question d'alliance. Because it's a matter of covenant. Si on ne touche pas le sang, and if we don't touch blood, c'est difficile de parler du Saint-Esprit, la, du baptême du Saint-Esprit. To speak about the baptism of the Holy Spirit. Tant que le Saint-Esprit ne voit pas la marque du if sang de Jésus, Holy Spirit doesn't see the blood il of n'agit Christ, pas. He does not come. Là où il y a le sang where there is blood de Jésus, of Jesus, là où il y a la marque du sang de where Jésus, there is the mark of the blood le Saint-Esprit of Jesus, agit. The Holy Spirit acts. Ça marche comme ça. That is how it works. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas la marque as du sang de Jésus sur ta no vie, mark of the blood of Jesus on your c'est life, difficile que le sang et c'est difficile que le Saint-Esprit the Holy Spirit puisse agir. Will not be able to act. Hébreux nous dit que si la première alliance avait Hebrew été sans défaut, if the first covenant was on n'allait pas la remplacer. It wouldn't be replaced. C'est parce qu'il y avait des défauts, it des limites. Faults, le défaut était limits. Que quoi? What was the fault? Ce sang that blood couvrait le péché covered temporairement juste pour un an. Temporarily just for one year. Quand tu pêches, when le peuple sinned, pêche, when the people c'est annuellement. Sinned, it is yearly. Les sacrifices de repentance qui sont faits par Aaron, Moïse, made by tous les sacrificateurs, and Moses and the on amène le mouton. On l'impose les mains, sheep, le peuple lève leurs mains. Quand vous lisez tout Lévitique, chapitre 4, Leviticus, tout le chapitre 4, c'est chapter, la procédure de sacrifice de repentance pour le peuple. Sacrifice of repentance for the people. Et l'animal est envoyé chasser and en brousse et dévoré par les lions, les animaux féroces. Et c'est sa guise d'expiation. And that is how the sin is mais purged. Le sang de cet animal, animal qu'on a utilisé pour faire le sacrifice that was used to make the juste couvrait le péché just covered mais the ça sin, n'enlevait pas but it did not remove it. Ça couvrait le péché it covered the juste sin pour un an just for one il year. Faut qu'encore la date anniversaire de l'année and prochaine a year later, les Aaron la ressortent encore Aaron has et to il come procède out encore un sacrifice de to make repentance another sacrifice of repentance. Voilà les défauts, les limites. Hébreux nous dit fault. Que s'il n'y avait pas de défauts, no on n'allait pas procéder à une autre. There wouldn't be another covenant. Maintenant, voici, now, on ne peut pas parler de l'alliance sans toucher Hébreux chapitre 9. About covenant without touching chapter 9 of Hebrew. Hébreux chapitre 9 nous a parlé chapter 9 tells us, tout ce qui est relatif, les ordonnances relatives au culte. Anything that is good for the cult. Tout ce qui touche au culte anything that touches est procédural. The Sunday service is procedural. It is a method. Tu ne dois pas, je sais pas, enjamber ou outrepasser. You shouldn't overstep. Le syllabus qui a été établi, when a syllabus has been established, tu dois le suivre de façon chronologique. You must follow it chronologically. Si tu sautes une étape, if you skip a step, on te frappe. You are hidden. Le griot du village. The teller of stories back home qui fait les éloges du roi who talks qui est assis sur son trône the goods of the king sitting on his throne quand il prend la parole when he takes the il word, fait les éloges and he speaks goodly il cite and he cites ton grand-père Intel or your grandfather ton arrière-grand-père Intel your ton arrière-grand-père ancestor Intel. This your il a fait ça il a fait ça ton arrière-grand-père Intel tu as fait ça your ancestor has done ton grand-père Intel il a fait ça your grandfather ton papa has done Intel this. Il a fait ça has done et maintenant on arrive au roi présent we get to the current king
En citant les éloges des différents rois depuis, of all the older si il enjambe un, if he skips one, et puis il cite le troisième, il saute le deuxième, et puis il passe citer le troisième, and then et il veut revenir citer le deuxième, and wants to come back to cite the second, l'année prochaine, c'est un autre griot. They will use another teller il va of faire stories la cérémonie. Next year. Ce n'est plus lui. It won't be the same person. Il va mourir. He will die. C'est sérieux. It is serious. Le protocole établi. Dieu est un Dieu de protocole. God is a God of protocol. C'est un Dieu d'autorité. He is a God of authority. Il s'amuse pas quand on touche l'autorité he qu'il a établie. Si c'est du monde, faut pas toucher. If you cannot touch the authority of the people of the world, notre Dieu quand il nous parle. How many times our God when he speaks to us? Je vais passer rapidement et peut-être revenir après sur ça parce que c'est très profond. But this is very deep. Si vous êtes prêts, la régie, aidez-moi avec. If you're ready, please help me. L'illustration with the image de des moments du culte. Nous aussi, nous avons la Sainte Cène. We also have Holy Communion. Tous ceux qui pensent que c'est un culte, je parle au culte de dimanche. Sunday service. C'est pas culte. Hein. This is not a cult. Elle dit que je sais que il y a des gens quand ils viennent à l'église. I know that there's some people when they come to church. Premièrement, first, 9h30 à 10h, il faut préparer le culte. 9:30 to 10, you have to prepare 10 the heures, service. Le groupe musical. 10, Frère the musical vient group, annoncer le groupe musical. The brother comes and après announces, le groupe musical, after the musical group, c'est les enfants. It is the children. Après les enfants, after the children, c'est le communiqué. It is après le communiqué, messages. C'est dîmes et offrandes. It is après dîmes et offrandes, after c'est Sainte Cène. Après Sainte Cène, c'est le message. It is the message. Après le message, after the message, prière finale. End of service. Voici l'ordre qui a établi la méthodologie. That is the method that has been put in place. Le jour où un chrétien est assis là-bas, the day a Christian is seated back there, et il voit le frère Désiré venir, and sees the brother come up, dès que le groupe musical finit, as soon as the musical group is vous over, attendez normalement qu'on annonce les enfants. You are waiting for the children to mais be announced. Mais à votre grande surprise, but when you're, on you're dit on va recueillir les dîmes et les offrandes. When we say, oh, we're going to gather the tithes and offering. Hey, pourquoi? They say, oh, why? Non, il a sauté. He skipped something. Non, on devrait prendre les enfants d'abord. No, we're supposed to take the ou bien le jour où vous allez voir le message prêché avant, le culte a été bouleversé. C'est vrai. Change. Si tu yes le prends en culte, if c'est vrai, il a été it bouleversé. As a service, yes, it, ça, c'est le système changed de l'ancienne alliance. But that is the old alliance, old faut covenant suivre scrupuleusement. Oh, you have to follow to the word. Mais avec la nouvelle alliance, but with the new covenant, le Saint-Esprit qui vient the Holy Spirit that comes sur nous, acte 1:8, upon us, act 1:8, en nous, in us, et acte 2:17, et avec nous, and with us, Ézéchiel 36, 25 Ezekiel jusqu'à 36, 36 25 voici les trois jours en nous, sur nous, avec us, nous. Over us and with us. C'est lui maintenant qui conduit l'église. He's now leading the ce n'est church plus le culte qui conduit l'église. That leads the church. Dimanche surpassé, two Sundays ago, je me suis levé, j'ai dit après, ou mais c'est trois dimanches surpassé, or maybe three Sundays ago. J'ai dit dès qu'il finit l'adoration, désiré, as il faut m'introduire. Introduce me. Quand on m'a introduit, when I was introduced, beaucoup étaient surpris. A lot of people were surprised. C'est pas comme ça, le culte no, a été bouleversé, not, le culte oh, a été renversé. Changed. C'est comme ça que ça fonctionne. That is how it works. Ce n'est plus culte. It is not a cult or service. Mais c'est devenu maintenant. But now, la nouvelle alliance, nous devrons être conduits par we le have Saint-Esprit. To be led by the Holy Spirit. Alléluia. Amen. Vous êtes prêts? Are you ready? Hébreux nous a dit, Hebrew told us, un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure. Mais d'abord, ça c'est la partie this extérieure. This is the outside part. Dont on parle l'entrée du parvis. We're talking about the entrance of the tabernacle. L'extérieur, vous savez très bien the outside, you know well, que c'est difficile it is difficult de faire des choses sérieuses to do serious things à l'extérieur. Outside. Concernant la Sainte Cène, when it comes to the Holy c'est Communion, des éléments très sérieux. These are serious elements. Concernant la nouvelle, la nouvelle ordonnance, aimez-vous les uns covenant, et les autres. Love yourselves c'est sérieux. Each other. On ne peut pas serious aimer extérieurement. You cannot love exterior. Il faut aimer intérieurement. You have to love within. N'enlevez pas, s'il vous plaît. Please don't remove it.
La même manière dont nous sommes tripartites. The same way that we have three parts. Le temple de Dieu dans l'Ancien Testament, in the Old Testament, était aussi tripartite. Also had three parts. De la même manière que ta famille chez toi, the way your est tripartite. At home has three parts. Il en est ainsi aussi so it is avec l'ancienne alliance, with the le old tabernacle. Covenant and the tabernacle. 2 Corinthiens 6, 18, 2 Corinthians 6, 18, plus précisément le verset 19, and verse 19. Ne savez-vous pas, don't you know, que votre corps est le temple du Saint-Esprit? The temple of the Holy Voici Spirit. Maintenant l'ancien temple, this is the old où temple, on faisait le culte. Where we used to do ça, the c'est service. L'entrée du parvis. This is the entrance. Avant l'entrée du parvis, but before the entrance, il y avait la cuve d'airain qui est déposée there was avec a une bassine. That was put down, a basket tu, that was put avant down. Que tu ne rentres, before you enter, il faut laver. You need to wash your hands en guise de purification, in a way to de sanctification. Purify and sanctify yourself. C'est ce que certaines confessions and that is what some continuent religious à faire confessions en appelant ablution. Still do when ablution. They talk about ablution. Ça, c'est le culte. That is cult. Jusqu'à présent, ils font des ablutions. Until today, some people do that. Lave les pieds, they wash their lave feet, la tête, les narines, nettoie tout, nostrils, et maintenant, ils sont prêts pour aller prier. And they're ready to go pray. Mais garde à toi si tu pètes. Pourquoi vous riez? Il faut traduire là-bas. Ouais. Garde à toi si tu pètes. So, careful if you fart. Le culte. Sunday si service. Tu pètes, if you c'est fart. Ablution. Il faut repartir encore. You have to go back. Mais si and tu wash as again. La diarrhée, tu as fait comment? But if you have diarrhea, le what culte do you do? Service un système. Has a system in place. Le culte érige. Prier trois fois par jour praying comme Daniel faisait like à Babylone, c'est un culte. Babylon, it's a trois cult. Fois par jour, matin, midi, soir. Day, Monday, morning, et nos frères prient cinq fois par jour. Ça, we c'est have le culte. Brothers who pray five times a day. On appelle ça des temps de prière. We call it times of prayer. Les temps de prière, c'est bon, mais c'est mieux they d'avoir good, l'esprit de prière. But it's better to have the spirit of prayer. Si tu finis de laver when you're done washing tes mains, your hands, tu peux maintenant rentrer. You can now enter. C'est le sacrificateur seul. Hein? Only c'est pas tout le monde. The priest, toute l'assemblée reste the entire assembly stays dans le parvis à l'intérieur. Vous voyez des hommes qui sont là. You see men are et ils there. Restent dans they le parvis stay in the outside, extérieur. In the outside et dans le parvis extérieur, on ne peut rien and faire the de sérieux. Outside of the tabernacle, there's nothing serious. Il y a trop de cacophonie. There's too much noise, trop de bruit. There's too much noise. Déconcentration. And you're, distraction. You're distracted. Et Tichus avait cette position, Tichus had that position à la fenêtre. At the window, qui lui permettait de regarder à l'intérieur, écouter les enseignements de Pierre, listening to the teachings et aussi of Peter, avoir l'oreille sur le monde, écouter but also listening comment le monde to fonctionne. The word cette and position how the word works. Du parvis, et Tichus aussi là-bas. Et nous, les chrétiens de la Nouvelle Alliance, nous devons comprendre que dans le parvis extérieur, tu ne peux rien recevoir. You cannot receive anything. Je suis en train d'introduire tout. I am en ce qui concerne le baptême du Saint-Esprit, nous avons commencé vendredi nuit. C'est obligatoire Friday. Qu'on passe par là. We have to go through these steps. Tu ne peux pas être distrait, charnel, and you cannot be of the flesh. Être avec ton téléphone. You cannot be with your phone. Tu regardes de temps en you're temps looking here si on ne m'a pas appelé, oh, si on ne m'a pas envoyé un SMS. Oh, do I have a message? Un, deux, trois, c'est toi oh, qui te lèves pour aller pisser, revenir, distraction, déconcentration. Tes pensées sont dans ton your frigo à la maison. Et tu es en train de penser, je ne sais pas, après le culte, je vais aller after ici. Service, I have to go here. Le Saint-Esprit, on va the baptiser les gens, vont parler en langue jusqu'à finir. Aussi longtemps tongues, que tu vas rester but ici, as long as you stay in the outside, le programme va finir. We will be done with our program, nada. And you will receive je nothing. Parle aux religieux. I am speaking to je those parle who are aux chrétiens traditionnalistes. I am speaking to the traditionalist je parle Christians. À ceux qui sont toujours des raisonneurs, who are always qui jugent la parole. Judging the word. Ah, je connais la parole. Oh, I know the word. Oh, j'ai eu à faire ça, oh, ça. I have done this, this, on a this. Servi le Seigneur. Oh, we serve the Lord. C'est bon. Oh, it's good. La foi est présente. C'est conjugué au présent. Faith is in the present, mais pas à l'imparfait. Not in the past. Tu connais, c'est bon. You know it's good. Mais à l'instant T, right now, je ne sais pas si les connaissances d'hier peuvent t'aider pour que tu ailles au ciel. Knowledge of yesterday si help ta foi d'hier peut t'aider à aller au ciel, donc soyez à l'instant T connecté. Be connected right now. J'ai l'expérience avec Christ là, ça ne marche pas. I have experience pour le royaume de Dieu, doesn't work est-ce for que the le Fils de l'homme, quand il va descendre, when Jesus trouvera-t-il down, de la foi sur la terre? La foi se conjugue au présent, present, pas à l'imparfait. Not in the past. Les actes se conjuguent au présent, present, pas à l'imparfait. Not in the past.
Allons-y maintenant au second. Let us go to the au parvis extérieur, vous ne pouvez rien recevoir. You cannot receive anything on est, outside. On est clair là-dessus et d'accord là-dessus. Clear on this? Et qui juge le message, those who judge the qui condamne le message, il y a d'autres message. Qui dorment, ils ne savent pas à quel moment il faut dormir, à quel moment il faut somnoler. Eux, dès que la louange et l'adoration finissent, tout le reste du culte, c'est dormir. C'est difficile, tu ne peux pas recevoir. You will not be able to receive anything. 10h à midi 30. 10 to 12:30. C'est toi qui bailles comme but si tu as fait une semaine sans dormir. As if you spent a week without sleeping. Alors que quand tu es au téléphone, but when you're on the phone, avec ton ami, ta with copine, your friend ta femme, or your girlfriend, your wife, tu peux faire 3 heures de communication. You can spend 3 hours nous, nos talking. Femmes qui sont au pays là. Our wives allô back bébé, home. Comment tu vas? Oh, hey, baby, oui, how are you? Raccroche. Oh, you, I miss you. Toi aussi, raccroche. Oh, no. Allô, on va raccrocher hang ensemble. No, you hang up. Okay, let's hang up together. 1, 2, 3, raccroche. 1, 2, 3, hang up. Tu es toujours là? Oh, you're still there. Tu fais 3 heures. You spend 3 hours on the phone. Bon, moi, chaque fois, moi, je confesse mes péchés, vous vous riez. Mais vous, vous ne confessez jamais vos péchés. I am confessing my sins and you laugh, but you never confess yours. That's the problem. Vous aussi, vous faites ça. You too do that. 2h30 de culte. 2.5 hours tu vas prendre of service. Une heure dedans pour dormir. You take 1 hour out of it to sleep. Ça dépend de toi. It depends on you. Tu vas prendre 10 minutes pour être distrait, divaré. You take 10 minutes to be distracted. On n'y peut rien. Nothing can we can do about. Paul dit que à la lune vous êtes arrivé. At the, where you are. Vous êtes arrivé à la nourriture solide. You have non plus de lait. Solid food. Vous ne pouvez pas passer tout votre temps, tout le temps à vous réveiller. We cannot keep waking you up. Over 4 years. Passer tout le temps à vous réveiller, waking you up for 4 years. Vous appelez quitter la distraction sur 4 années. We call you to leave distraction for 4 years. You have to grow up. Peut pas passer tout le temps à vous dire. We can't spend all the time telling you. Va prendre tes leçons. Va prendre tes leçons. Go take your books. Alors ici. So now. Voici le tabernacle tout entier. Here is the entire tabernacle. On va revenir en détail après. We will come back in detail later. Si je vais prendre trop le temps. If I take too much time, va durer. Will take too long. Alors, à l'intérieur ici, inside here, il y a une subdivision. There is a subdivision. Une fois que tu passes le parvis, once you go through the main entrance, et puis tu arrives maintenant au lieu saint, and you reach the à là-bas, holy place. Hébreu nous a dit, Hebrew tells us, qu'il y avait le chandelier, la table et les pains de proposition. The table and the shewbread. C'est là-bas que Zacharie se trouvait. That is where Zachariah et il faisait was le sacrifice. And was making sacrifices. Et c'est à ce niveau que je vais vous montrer l'autre image, mais je vais m'arrêter ici. I will show you another image, but I'll stop here. Ici, à ce niveau, at this level, là où Zacharie y était, where Zachariah was, dans le lieu saint, in the holy place. Après le parvis, after the outside, il y a le lieu saint there was the holy place, et il y a le lieu très saint. And there was the holy of holies. C'est la subdivision de notre Trinité, the la Trinité de l'homme, Trinity, the Trinity corps, of man, body, âme et esprit. And spirit. La Trinité de ton foyer, the Trinity of your il y a la basse-cour, là où le coq chasse la poule, where il y a le salon running, you have the living room, et il y a la chambre, and you have the tout bedroom. Est Trinité. There's always three. Pour que tu puisses rentrer en bonne dimension, for you to enter the right dimension, en relation avec ta femme, with your wife, tu ne la prends pas dans la basse-cour. You don't take her outside. Là-bas, c'est pour le coq et puis la poule. That is for the chickens. Dans le salon, in the living c'est pour room, recevoir les amis. Is to receive friends. Mais dans la chambre, but in the bedroom, c'est là-bas où il y a la bonne connexion. That's where there is the right connection. La bonne intimité. And the right intimacy. Donc dans le lieu saint, so in the holy Zacharie place, performait le sacrifice. Les sacrificateurs étaient là-bas. The priests mais were there. Il y avait un voile. But there was a veil. Il y a un voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint. The holy of the holiest. Et c'est du voile que je vais m'arrêter pour qu'on se parle. C'est ce voile que Jean-Baptiste faisait d'eau. John the Baptist was backing.
De l'Ancien Testament jusqu'à Jean-Baptiste. From the Old Testament until John the Baptist. Il n'y a pas un comme plus que Jean-Baptiste. There was no one mais like dans le royaume Baptist, de Dieu, le plus petit est plus grand que Jean-Baptiste. The smallest is pourquoi? Taller than John parce que Jean-Baptiste a juste posé une seule question. Est-ce celui qui doit venir ou bien on va attendre quelqu'un d'autre? Jean chapitre 3. Are you the one coming or are we expecting someone else? Parmi les hommes, il est le plus grand. Le prophète est le plus grand. Biggest of all prophets. Parce que lui, il a été jusqu'au dos à dos, mur avec le voile. He was back to back with the veil. Les sacrificateurs pouvaient pas rentrer. The priest could not enter. Parce qu'il y avait un voile. Because there was a veil. Et ils faisaient le service au niveau du lieu saint. And they were doing their service in the holy place. C'est pour cela le thème de notre année. Which is why the theme of our year. Deux dimensions. As two dimensions. Église, je vous ai dit en ligne, Church, si vous online, suivez bien les enseignements, les prédications, la doctrine des assemblées de Dieu que je développe depuis le basement avec vous, même si tu quittes cette église, church, tu pars, je ne sais pas, en Chine, Taïwan, en Afrique, dans n'importe quel continent, China, et tu intègres une église, and you enter a church, à moins que c'est toi qui est paresseux. Unless you je te donne deux ans là-bas, tu seras un leader là-bas. I'll give you 2 years, you will be a leader there. Tu seras responsable d'une structure là-bas. You will be a même si tu n'es pas le pasteur, le pasteur va beaucoup compter sur toi parce que ce que tu reçois là, what you receive, c'est la vraie formation du christianisme. True Christianism. C'est pas frélaté. It is not watered down. Il y a des chrétiens, il y a des églises, ils ne font but pas enseignement biblique. Hein. There are some churches that don't do, la parole de Dieu a dit que tous ne se mettent pas à enseigner. Not everybody malheur teaches. À ceux qui se mettent à enseigner. Cursed is those que l'enseignement who retrouve teach. Ou égare. Because the teaching can l'enseignement make te permet de lost. Te retrouver ou you de can, t'égarer. You can find yourself donc, malheur or à celui qui yourself. Égare mon peuple. So, cursed is the one who loses my people. L'enseignement enlève de l'obscurantisme, de l'ignorance the teaching à la connaissance. Can take you out of obscurity into Hosea 4, 6, mon peuple périt par manque d'enseignement et de connaissance. People die of lack of et ce que vous recevez réellement, what you truly receive, prenez réellement avec take it sérieux, prenez avec with votre seriousness, cœur take it with your heart, pour être en mesure d'impacter to be able to impact ailleurs. Other dans places. Le lieu saint, in the holy place. Il y a la table, pain de proposition, le chandelier. Shoebread, and et là-bas, il y a une lumière artificielle produite par les chandeliers composée de 7 cornes. The candlestick that has 7 horns. Peuple de Dieu. People of God. Cette lumière artificielle. That artificial light. Ça n'aide pas. Doesn't help. Cette lumière artificielle artificial produite par le chandelier. That is produced nous voyons by des églises où il y a des chandeliers. We see churches allumé, ça brille. That have candlesticks c'est bon, that are burning c'est le culte. And are bright and it's nice, it's cult. Là où le voile a limité, where the veil has separated, aujourd'hui de nos jours, today, on our days, pour réellement être baptisé du Saint-Esprit, to truly be baptized of the Holy le Spirit, voile matérialisé par the ce rideau-là, shown by aujourd'hui this est matérialisé is now today materialized par ma chair by our flesh et ta chair. In your flesh. C'est ta chair it qui is est your flesh au milieu that is in between et qui bloque and that blocks la communion avec l'esprit your de Dieu communion with the dont spirit tu as l'image of God to whom you are the image of. La chair est le voile actuellement là où tu es assis là. Tu veil, as ton voile seated, you have your et ton veil, voile ce n'est pas un rideau c'est pas ce rideau comme dans le temps wall, passé like mais past. Ton voile et ton but rideau c'est ta chair your flesh. Nous voulons quitter l'étape du service dans le lieu saint pour aller à l'étape de l'adoration dans le lieu très saint, appelé saint des saints. Jésus a dit au serpent, au diable, told the serpent, the devil, que tu adoreras seul ton père you will only et c'est lui seul que tu serviras. God, and you will serve l'adoration him only. Vient avant worship le service. Comes before service. Mais selon la constitution but du tabernacle, based on the ils servent le Seigneur dans le lieu saint, they serve mais the Lord ils adorent Dieu dans le lieu but très saint. Worship God voilà pourquoi in the le thème, je dis, nous devons adorer, we have to worship. Devons aussi servir. Service, c'est les œuvres. L'adoration, c'est l'esprit. But the worship et tu ne peux pas passer de l'étape du service dans le lieu saint à l'étape de l'adoration en esprit si le voile n'a pas été déchiré. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Désormais, les Zacharie qui ne pouvaient pas arriver à l'autre endroit si ce n'est que le souverain sacrificateur annuellement.
C'est lui seul quand on ouvrait le voile. Si tu touchais même le voile, tu meurs. If you touch the veil, you die. Amenez la troisième image. Je vais développer ça peut-être un vendredi soir ou bien un mercredi nuit. I will develop it on a Friday night. Voici là le souverain sacrificateur à l'intérieur. This is the highest priest inside. Où Hébreu nous a bien expliqué. And Hebrew explained it to us. Là, there, c'est là que nous devrions rentrer. Is where we should enter. Le service, service ne fait pas forcément approbation. Is not a matter of approval. Non. No. Le service, service, forcément Dieu ne fait pas approbation. God doesn't approve forcément du service. Automatically mais your service. Mais il fait approbation. But he approves de l'adoration. Of your worship. Parce Amen. Que le service, because service ne conduit pas does not lead au royaume. To the kingdom. Le service est relié au don. Is linked to a gift. Mais l'adoration but est reliée au fruit. Is linked to les the fruits. Dons the gifts ne te catapulte pas au royaume de Dieu, au paradis. Mais c'est les fruits qui te conduisent dans le royaume de Dieu. To the kingdom of God. Amen. Les dons, opérer les miracles, ça c'est un don. Doing c'est bon, c'est le service. It's service. Les dons, parler en langue, ça speaking c'est bon, tongues, c'est le service. It's service. Le don, bien jouer aux instruments, playing chanter, well ça c'est le service. Is good. That is service. Mais quels sont but tes fruits? What are your fruits? Moïse a opéré un service, un Moses don, un miracle, had a miracle, mais il n'est pas rentré but he did not reach la terre promise. The promised land. Parce que because Matthieu 25 nous dit, Matthew 25 je tells ne vous ai jamais connu. I have never known hey you. Dieu, hey God, regarde, tu es comme ça. Are you like that? Toi, c'est pas moi qui étais, quand le pasteur était, c'est pas moi qui interprétais. Tu m'as pas vu? Have you not c'est seen nous, me? On chassait les démons là. We were the ones casting demons tu away. Nous as pas vu? Have you not seen us? Dieu, moi je savais pas God, que tu étais comme ça. I didn't know you were ça like c'est that. Le service. That is ça service. C'est les dons. Those ça c'est les gifts. Œuvres. Those are works. Dieu le ouba-ba-ba-ba là, c'est moi the qui faisais ça. In tongue, I was doing tu it. N'entendais pas? Were you not hearing ça c'est les dons. Donc de parler gifts. En langue. The gift of speaking mais c'est in tongue. Pas évident but que le paradis est garanti. Doesn't mean paradise is guaranteed. Réveille ton voisin. Wake up c'est vous autres là je parle. I was speaking about là-bas aussi c'est parti. Là-bas aussi c'est parti. Right. Les moments sérieux où vous devrez être nourri, serious times when you're supposed to be c'est fed, ça. Vous choisissez pour dormir. That's when you choose to sleep. Dans l'église, faites beaucoup attention. Be careful in church. Faites beaucoup attention. Be careful. Il y a des conséquences de there dormir pendant le message. Consequences of sleeping très sérieuses. During the message pendant le message, il y a des démons qui sortent. There are demons that come quand out during the message. When they ils cherchent out, un lieu favorable, they look for a favorable place to enter. Et ensuite dans l'église aussi, also, n'oubliez pas qu'il y a du blé. Don't forget that there is the et là où il y a le blé, il fait tout seed, pour détruire aussi le mil. It will destroy the wheat. Comprenez bien. Understand well. S'il y a un sorcier dans l'église, if there is a sorcerer in l'église the church, où tu fréquentes là, the church that you go s'il to, y a un sorcier dedans, if there's a sorcerer in there, il est assis, lui il fait que vous attaquez avec ses ongles all he does pour is vous jeter le sommeil. To throw sleep on et you. Ce sont les faibles. And those are ceux qui sont forts, those who are weak. But those who are strong, he cannot touch them. Et aussi, la dernière exemple je vais also, donner. The last example I'll give. Le pasteur a donné une explication. The pastor gave an explanation. Et il a dit, ne trompez pas vos femmes. Il a enseigné sur la fidélité. Do not go against your women. He taught pendant on tout faithfulness. Ce temps, le frère dormait. And there was a brother sleeping. Et il dit, j'espère qu'il n'y a aucun homme dans notre église qui a déjà trompé sa femme. I hope there's no man si il y en a, levé ta main. Has cheated c'est on en his ce wife. Moment, le gars and s'est réveillé. Said, il a levé sa main. And the guy woke up and he rose his hand. Non, c'est sérieux. That's true. Je parle des conséquences I de dormir, non? Of the consequences il n'y a pas of de sleep. Maybe il joue, mais il y a des moments où on demande lève ta main, non? They say raise your hand, right? On pose une question, dit levez vos mains. They ask a question, they say raise your toi, hand. Quand tu dormais, you are sleeping. Ce que tu as saisi, what you understood cette was dernière just volée, toute the l'explication, last part, tu n'as pas entendu. But you didn't understand the whole explanation. Mais ce foyer là, c'est difficile. But that's difficult. Le gars trompait pas sa femme. He wasn't cheating on his wife. Mais il a levé sa main, toute but l'église he rose his a vu. Hand, tout and le monde the entire était church sa saw femme him. Était vraiment his abattu. Wife was broken down. Il a failli, comment je vais dire. Le conseil de l'ONU pour résoudre cette crise. The United Nations had to deal with this crisis.
Donc pendant le message, il y a des démons qui sortent. Dans l'église, peut avoir un sorcier. The church can have a witch, a sorcerer. Même le monde extérieur qui vous attaque. Even the outside is attacking you. Vous met dans le sommeil. They put you in sleep. Comme aussi, tu peux lever ton doigt. And then you can raise your hand. Pour dire c'est toi qui trompes. Voici les trois exemples que je donne. Mais les plus deux grands sérieux. During these serious times, c'est les démons qui sortent pendant le message. Demons are coming out during the message and witchcraft that is acting. Donc faites votre effort. So do your best. Alors dans ce lieu, so in that place, le voile ça s'ouvrait une fois par an. The veil was open once a year. Vous pouvez faire le service mais vous restez dans le lieu saint. You can do your service. C'est dans le lieu saint on fait le service. That's where we do service. Donc on peut le faire, on peut faire le service charnellement. You can do your service with your flesh. Ça c'est pas compliqué. It's not difficult. Je peux venir nettoyer l'église. I can come and clean the church. Ça, n'importe même le musulman ou le païen, on even peut lui demander de nettoyer. A Muslim or a pagan can je clean peux the jouer church. Les instruments charnellement. I can play je the peux instruments. Jouer I can à la chorale tout. Sing tout peux in faire the choir. Le service. I can do the service. Non, pas trop de problèmes. Ça There's peut no faire, issue with faire charnellement. That. We can do it with the flesh. Mais l'adoration. The worship. Tu peux pas le faire charnellement. You cannot do it sinon with the flesh. Tu serais appelé because you would be faux adorateur. Fake worshipper. Les vrais adorateurs. True worshippers. Ça veut dire qu'il y a faux adorateurs aussi. Means there's also fake et dans ce lieu, and in that place, beaucoup ont dit non, le chandelier. Ici, il y a une lumière. There, mais il n'y a pas a le light, chandelier ici. But there's no candlestick dans there. Le lieu saint, in the holy place, Genèse 1, 2. Que la lumière soit Genesis et la lumière said, fut. C'est cette lumière spirituelle donnée par le Saint-Esprit qui se trouve dans le lieu appelé Saint des Saints. Et c'est ici, on ne fait plus le service là, mais on fait l'adoration. But worship is done there. C'est frustrant. It is frustrating de servir Dieu sans l'adorer. To serve God without worshiping très him. Frustrant. It is very frustrating. Et généralement, vous voyez ses frères et sœurs. And you will see these brothers and sisters. Ils se plaignent. They complain. Mécontents de tout. They're unhappy about je everything. Je ne manque pas l'église. C'est nous on chante. Are we the ones je sing. Fais tout à l'église. I do everything at church. C'est le service. It is the service. Mais il y a le voile. But there's the veil. Qui l'empêche d'y rentrer dans le lieu saint des saints. From entering pour the holiest amener à l'adoration. Of all, to go into si worship. Tu arrives au lieu saint if des saints. The pour l'adoration. All, for worship, aucune de tes prières ne sera restée sans exaucement. Will stay with no answer. Le service n'exauce pas forcément. Service does not answer les sujets de prière. Your subject of prayer. Nous servons Dieu, we serve God, mais nous n'avons pas l'exaucement. But we don't have the c'est answer. Frustrant. It is frustrating. Quand on voit un chrétien dans l'église, when you see a Christian in des the church, années et des années, c'est frustré, frustré. Years and years, frustration over frustration. Alors qu'ils servent Dieu là, even though they serve God, enseignez-lui pour l'amener, teach them to à la dimension, bring them to a higher dimension l'adoration. Of worship. C'est en esprit, because it's in spirit qu'on adore, that we worship. Je vais m'arrêter ici. I will stop je vais here. Aller plus deeply, peut-être un mercredi and soir en ligne. Deeper, on a, si on a, vous n'avez pas compris ça et saisir, this, même la Sainte Seine, le voile est déchiré, tu vas prendre la Sainte Seine, mais you will take the Holy Communion, but c'est dans la chair. It is with your flesh. La communion, the communion, l'alliance, the covenant se fait en esprit. Happens la Sainte Seine, the Holy c'est communion une alliance. Is an alliance. Alliance du sang. Alliance of blood. Ça va au-delà de la it relation. Goes above relationship. Une communion. It is a communion. Marie a choisi la bonne part. Mary chose the right part. La communion. The communion. Restez au pied de la stay parole. Stay at the feet connected. Of the word and connect yourselves. Ceux qui sont passés par les eaux de baptême. Those who went through the waters of baptism. Par immersion. Through immersion. Veuillez vous tenir debout. Please stand up. On va passer du lieu saint au lieu très saint. The holy to the holiest pour adorer Dieu of all, à travers and worship God la communion. Through our communion.
Christ. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, te rendons toute la gloire parce que tu es merveilleux. Merci Jésus-Christ pour l'amour incommensurable que tu as exprimé envers nous, Seigneur. En acceptant cette croix, Seigneur, en acceptant Jésus-Christ d'être humilié, nous te bénissons pour ce sacrifice ultime. Merci pour ton sang qui a coulé, Seigneur, pour la rémission de nos péchés. Merci parce que ton corps a été meurtri, Seigneur, pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Dieu Tout-Puissant, je veux te recommander ces emblèmes. Ce sang, Seigneur Jésus-Christ, ce pain et ce vin qui symbolisent ton corps et ton sang qui a coulé sur la croix du calvaire, Seigneur. Que cela vienne, Seigneur Jésus-Christ, nous donner la vie, Seigneur. Oh, que cela, Seigneur Jésus-Christ, soit une source de bénédiction pour ton peuple, Seigneur. Oh, tendre Père, je te confie ces emblèmes, Seigneur. Je te prie dans le nom de Jésus-Christ, que cela apporte, Seigneur Jésus-Christ, la joie où, Seigneur Jésus-Christ, où il y a la peine, Seigneur. Que cela décharge, Seigneur, où il y a des fardeaux, Seigneur. Que cela apporte la guérison où il y a la maladie, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, je prie, Seigneur, que ces emblèmes, Seigneur, soient une source de bénédiction pour ton peuple, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, agis puissamment, Seigneur, et que cela soit, Seigneur, pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Père, nous te bénissons, Seigneur, parce que Jésus-Christ, tu as accepté, Seigneur Jésus-Christ, d'être, Seigneur, humilié, Seigneur, pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Merci pour ce sacrifice, Seigneur. Merci pour cet amour que tu as manifesté pour nous, Seigneur. Que la gloire et l'honneur te reviennent à jamais ce matin. Ton amour, Jésus-Christ, soit béni et soit exalté au siècle des siècles. Amen. 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 Jésus, tout est heureux.
tous ensemble d'un commun accord. In one accord. Ce pain qui est le corps this bread that represents de Christ the body déchiqueté that was torn. Dans Jean chapitre 6, John chapter 6. Mangez mon corps et buvez eat mon my sang. Body and drink my blood. Ne sois pas choqué do not be shocked. Comme tous ces Israélites qui étaient like choqués. Those Israelites that were shocked. Dis, mais lui là, il est sorcier ou quoi? Where, is he pourquoi a il sorcerer? Dit, faut qu'on mange son corps, faut qu'on boive son sang. We're gonna drink his blood and eat his body. Oh. Oh, on se rappelle. We remember. Quand Hérode voulait tuer les enfants, when Herod wanted to kill the children, on l'a fui avec lui aller en Égypte. We ran with him to il a Egypt. Fait de 1 jusqu'à 12 ans là-bas. And he spent 12 c'est years la science there. Égyptologique qu'il a appris. C'est pour cela qu'il a dit, on n'a qu'à manger sa chair. Which is why he said, let's eat et les gens ont commencé à le quitter. And people started leaving him. Il a demandé à ses disciples, and he asked his disciples, mais et vous? How about you? Vous n'allez pas are partir? You not leaving me? Pierre a dit, and Seigneur, Peter said, Lord, à qui irions-nous? To whom shall we go? À qui irions-nous? To whom shall we go? Car c'est toi qui as la parole de vie. For you have the words of life. Le pain que vous avez, the bread that you have, c'est le pain de vie. It is the bread of life. Que tu sois malade, if you're sick, à travers ses maîtrisures, through his tu hurt, as la guérison. You have healing. À travers ce pain, through this bread, qui a faim, those who are qu'il hungry, mange ce pain, let them eat this n'aura bread, plus faim. And will not be le pain hungry, de la vie, the bread of avec life, foi, with faith, et persuasion, and persuasion. Prenons tous ensemble. Let us all together take le corps de Christ, the body of Christ. Ensuite, il prit yeah, le souper. The cup. L'alliance en question dont the covenant. En Égypte, ils ont utilisé comme sang de bouc. Where they used the blood of sheep. Et Jérémie in Egypt, a dit au 31, Jeremiah said in verse, chapter 31, je vais donner verse 31, une nouvelle alliance. I will give a new covenant. Et 1 Corinthiens 11, il a dit, First Corinthians 11 ceci 11 est mon says, sang. This is my blood. Le sang. The blood. Le sang de la nouvelle the blood of the alliance. New covenant. À travers ce sang and through this blood, qui a crié à la croix that has cried at the cross, le voile a the été veil déchiré was torn. Désormais and from nous then, tous all of sans us, exception no exception, nous avons accès we have access. Frères, sœurs, la coupe brothers, que tu tiens sisters, dans ta main, the cup that you have in your c'est la coupe de la nouvelle alliance cup of the new qui te donne accès au voile. You access to the veil. Le voile est désiré. Tu rentres the maintenant veil dans torn, le lieu saint des saints. In the holiest of all. Le sang de Jésus, the blood of Christ, quel que soit le venin, whatever the l'empoisonnement, the poison, quel que soit whatever, ce qui est en toi, dans ton sang, you, in your blood, maladie de sang, disease tu of es blood, anémié, and you have anemia, quelle que soit la forme de la maladie, the form of the disease, breuvage, contre-breuvage, drink against drink, le breuvage du sang de Jésus est le meilleur. Of the blood of Christ quand is the tu le best. Prends, when you take ton it, sang est purifié. Your blood is purified. La maladie disparaît. Your disease disappears. L'anémie disparaît. The anemia disappears. Les globules rouges reprennent vie. The blood cells take life. Ensemble, together, ayons cette alliance let us have nouvelle new covenant, qui est le sang de Jésus. That is the blood of Christ. Amen. Amen. Je vais vous conduire dans une prière. I will lead you in a prayer. Avant que nous commencions le message sur le Saint-Esprit. The message with the Holy Spirit. La prière que tu vas faire, the prayer that you will make, rien que le sang, nothing but pendant the blood, que le groupe musical, as the musical group, je vais vous demander de chanter de I'll façon ask you vivant. To sing it with life. Si vous n'avez pas les cantiques, prenez. If you don't have the books, faites sortir vos voix. And bring out your voices. Jouez bien, priez et nous, l'assemblée, and us, the church, nous allons demander we will ask que le sang. Only the blood. Asperge le sang, appelle le sang, applique le sang bring de Jésus. The blood of Jesus. Là où il y a le sang, where there's the blood, le Saint-Esprit agit. The Holy Spirit will act. C'est non négociable. C'est non it négociable. Is non-negotiable. C'est comme ça. It is so. L'Esprit de Dieu veut voir le the sang. The Spirit of God wants to see the blood.
Durant ces moments, during these times, rien que le sang de Jésus. Nothing but the blood of Jesus. Rien que le sang de Jésus. Nothing but the blood of Jesus. Restez dans le même cantique. Rien que le sang de Jésus. Ne changez pas. Le 350, rien que le sang de Jésus. Nous allons tous ensemble chanter ce chant, premier et deuxième couplet. Et quand on va finir le premier couplet et le refrain, toute l'assemblée va commencer à prier. Et c'est le groupe musical qui va continuer seul. Pendant ce temps, nous prions. In that time, we will pray. Ouvre ta bouche et chante. Open your mouth and sing. Ouvre ta bouche et chante. Open your mouth and quand sing. Nous allons maintenant mouvoir la chanson à la prière, to the prayer, tu arrêtes de chanter et tu pries maintenant. Tu appliques le sang, tu appelles le sang. Appelle le sang de Jésus. Call the blood of Jesus. Nous sommes à l'introduction. Par rapport à ce programme, prière de baptême du Saint-Esprit jusqu'à Pentecôte, nous allons parler que rien que le Saint-Esprit. We'll only speak about the Holy Spirit. Allez-y, s'il vous plaît. Rien que le sang de Jésus. Le sang de Jésus, précieux sang de l'agneau, qui ne donne que nouveau, rien d'autre je ne veux plus. Le sang de Jésus. Pour mon pardon, je ne vois rien que le sang de Jésus. Pour mon salut, je ne vois rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau, qui ne donne que nouveau, rien d'autre je ne veux plus. Pendant que le groupe musical est en train de chanter, toute l'assemblée, j'invite toute l'assemblée à élever la voix et de prier. Priez maintenant. Priez maintenant. Priez maintenant. Sang de Jésus. Sang de Jésus. J'appelle le sang de Jésus. Sang de Jésus. La marque indélébile. Sang précieux. Sang tache. Ni ride. J'appelle le sang. J'invoque le sang. J'invoque le sang. Je plaide le mérite du sang de Jésus. Je plaide le mérite du sang de Jésus. Sang de Jésus. Manifeste au milieu de nous. Sang de Jésus. Manifeste au milieu de nous. Signe. La marque. Signe. La marque. J'appelle la marque. J'appelle le signe. Sang de Jésus. Maintenant. Je t'asperge dans l'église. Je t'asperge dans l'église. Sang de Jésus. Touche chacun. Sang de Jésus. Manifeste en chacun. Sang de Jésus. Je t'invoque. Je t'invoque. Tu as donné l'ordre de détruire femmes et enfants dans le temple à Jérusalem. Mais de ne pas toucher à quiconque à la marque du sang. L'ange de l'Éternel a épargné les premiers-nés. L'Esprit de Dieu n'a pas touché les premiers-nés à cause du sang. Sang d'un bouc. Le sang de l'agneau. Pur. 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 Sans tache ni ride. C'est ce sang qui m'a été donné. Versé à la croix de Golgotha. Sans
de Jésus, manifeste-toi, sang de Jésus, je plais tes mérites, sang de Jésus, touche chacun, je t'applique, je t'asperge, nous voulons rien d'autre que le sang de Jésus, nous voulons rien d'autre que le sang de l'agneau, sang de Jésus, manifeste-toi, sang de Jésus, touche chacun, sang de Jésus, je te vois dans ma vie, je te vois dans ma vie. Je t'appelle dans ma vie. Manifeste-toi au nom de Jésus. J'applique le sang dans la vie de l'église, dans la vie des fidèles, dans la vie des membres, au nom de Jésus, qui sont en ligne. J'applique le sang, j'évoque le sang, j'asperge le sang. Sang de Jésus, manifeste-toi, touche nos cœurs. Sang de Jésus, agis maintenant. Sang de Jésus, sang de l'agneau, agneau pur, manifeste, agis, Saint-Esprit, tu veux voir le sang, tu veux voir le sang, vois le sang de Jésus, Dieu, vois le sang de ton fils en nous, et laisse ton souffle agir, laisse ton souffle te manifester, au nom de Jésus, sang de l'agneau, sang de l'agneau, manifeste-toi en ce moment. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Glory to God. Gloire à Dieu. Glory to God. Nous allons introduire le message. We will introduce our par le 360. With the song 11. 371. Ils étaient 120 fidèles. There were 120 faithfuls. Ils étaient 120 fidèles. Tous unis. Persévérant avec zèle, priant le Dieu fort, Seigneur, tout maître, c'est toi. Aujourd'hui remplis mon être de ton Saint-Esprit. Soudain sur la chambre haute, le feu descendit en langue de Pentecôte, âge de l'Esprit. Levez vos mains s'il vous plaît. Seigneur, tout maître, c'est toi qui bénis. Aujourd'hui remplis mon être de ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je prie maintenant, en appelant la présence de l'Esprit, comme le jour de la Pentecôte, tous unis des mêmes accords, tous unis des mêmes accords, priant le Seigneur, ce matin Père, tous unis des mêmes accords, nous te prions, Esprit de Dieu vivant, je te prie maintenant, Saint-Esprit, souffle de Dieu, je t'invoque maintenant à remplir chacun de nous, à visiter chacun de nous, à toucher chacun de nous, toucher les cœurs maintenant, feu de Dieu, toi qui baptises, le feu du Saint-Esprit, baptise-nous ce matin, par ta parole, par le message, baptise mon frère, baptise ma soeur, remplis mon frère, visite mon frère, visite ma soeur, de même accord, j'invoque et nous appelons le Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'invoque.
invoque. Saint-Esprit, je t'appelle. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Agis maintenant. Holy Ghost, prends la voile. Envahis la salle. Envahis la salle. Saint-Esprit, touche quelqu'un. Saint-Esprit, je te prie dans ta grâce. Touche ma soeur. Délie la langue. Délie la langue de mon frère. Délie la langue de ma soeur. Remplis l'église. Prends ton chemin. Prends ton chemin. Prends ton chemin. Touche maintenant. Agis maintenant. Move maintenant. Move maintenant dans la salle. Remplis. Par ta présence. Le feu descend maintenant. Le feu de l'Esprit descend maintenant. C'est toi qui bénis. C'est toi qui donne. Remplis aujourd'hui notre être. Remplis l'être de chacun. Par ton esprit, recevez maintenant la plénitude à travers ces moments. Moment solennel, sois rempli, sois visité, sois touché. Ouvre ton cœur pour recevoir. Dispose ton cœur, recevez la touche de l'Esprit Saint. Par le nom de Jésus, j'appelle le Saint-Esprit. Vois le sang et manifeste-toi. Vois le sang et touche l'église. Vois le sang et descend. Feu de Dieu. Feu de Dieu. Nous avons besoin de ta touche. Baptise de feu. 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 Esprit de Dieu. Agis maintenant. L'onction maintenant. La relâche. Dans l'assemblée. Au nom de Jésus. Recevez la touche de l'esprit. Le souffle de l'esprit. La présence divine. Le feu de Dieu. Dans le nom de Jésus Christ de Nazareth. Saint-Esprit. Prends ton chemin dans l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Mais restez disponible, j'aurai besoin de vous pour le moment de prière du baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Disposez vos cœurs. Get your hearts ready. Je vais introduire ce programme. I will introduce this program. Et nous allons avoir un moment de prière. And we will have some time of prayer. Le thème aujourd'hui, the theme today, qui va nous conduire jusqu'à Pentecôte, that will lead us until c'est the le Saint-Esprit is the Holy Spirit, dont mission et ses manifestations. And his manifestations. Dont gifts, mission mission et ses manifestations. And his manifestations. Premièrement, first, c'est le Saint-Esprit. The Holy Spirit. On ne peut pas parler du Saint-Esprit. We cannot speak of the Holy Ghost. À quelqu'un to someone qui a laissé le voile who still has de sa a veil chair in their flesh lui bloqué. Block him. Vous avez introduit ça. Ce matin, this morning, fais tout do your best pour avoir une connexion. So you may have a connection. S'il vous plaît. Please. Généralement, la chair se manifeste par les événements suivants. The flesh shows itself through these ways. Le raisonnement. Reasoning. Quand vous voyez que vous commencez à when raisonner you see that you're starting to reason pendant le culte, during the message, je t'informe que tu es descendu sur le lieu par vie extérieure charnel. Je vais vous donner ça avant de commencer le message. Before quand ça message, t'arrive seulement, when this happens tu n'as pas to besoin you, d'un prophète pour te révéler you don't que tu es charnel. Prophet to tell you that je t'ai you're déjà out of informé. Flesh. I'm telling you this now. Dans n'importe quelle église, in whatever church, quand tu arrives, when you get there, la parole est prêchée, and the word tout is se passe, and everything c'est toi happens, qui as arrêté, but you're standing tu raisonnes there, and you're reasoning contre le message. Against the word. Tu raisonnes. You're reasoning. Ensuite, deuxième then, signe, second sign, tu juges you judge ceux qui sont en train de prêcher, those who are preaching, mon interprète et moi, my interpreter toi and tu I, les vois, you see them,
un jugement. And you're judging them. Et tu les juges. And you judge them. Ensuite, troisièmement, then third, la parole même qui est prêchée, the word that tu juges même la parole. You judge that en fait, word. Tu laisses fonctionner maintenant ton cerveau, so now your ton intelligence. Brain is full throttle. Quatrièmement, and fourth, tu es distrait. You are distracted. Tu es peut-être déjà à la maison, you're au travail, home, at work, à côté de ton frigo, next avec ton to your assiette, refrigerator with your pour te servir, ready to serve ou tu es déjà sur ton lit, en or you're on your bed. Ce sont ces petits éléments. Those small elements. Et pour savoir que tu es charnel, and for you to know that you're of the flesh, tu es informé quand ton téléphone a réagi. You know when your phone reacts. Si tu as su à quel moment le message est rentré, c'est que tu as manqué un moment. Phone, tu as été déconnecté d'un means moment. You got disconnected for some time. C'est des signes simples. These are very simple. Il n'y a pas besoin de prophétie signs pour ça. There's no need of a prophecy. Le sommeil for that aussi. Sleepiness même also. Si je vous dis même pas ça, dit pas même tu n'es même plus you, charnel. You know, you're beyond. Tu es en train de pratiquer le cousin ou le petit frère de la mort. Now you're practicing. Parce que le sommeil, c'est le petit frère de la mort. The little brother of death. Because sleepiness is the little brother of death. Le problème là, c'est moi qui vous dis tout ça là. Sinon, vous-même vous connaissez. You know it. You know all these. Celui qui dort, il sait qu'il est en train. Those who are sleeping. Ça dit, il est à moitié mort. It means you're half dead. Bon, celui qui raisonne même vaut mieux que celui qui dort. Those who are reasoning against the word are better than those who sleep. But I'm not saying go and reason. Parce que si tu dors, tu peux même pas raisonner. Because if you're sleeping, you cannot tu peux même pas juger. You cannot even judge. Téléphone va sonner, on sait même pas. The phone rings, you don't even know. Voici les éléments. So these are the elements de la chair. Of the flesh. Quand vous voulez rentrer dans la présence de Dieu, et que ces éléments, vous voyez que ça se passe. The presence of God, and you see these la chair things, est en train de prendre le dessus. You have to know that the flesh is taking over. Le Saint-Esprit, the Holy Spirit, ses dons spirituels, it's, ses missions dans notre vie et ses manifestations and its manifestation dans notre vie. In our life. Qui est le Saint-Esprit? Who is the Holy nous voulons Ghost? Parler rapidement we want to speak quickly d'une identité. Of an identity. Donc, quand nous lisons la parole de Dieu, when we read the word of God, nous pensons que et c'est de façon ascendante we ou think it's de façon descendante. Or Dieu le Père, way. Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Alors qu'ils sont tous un. But they're all one. Biden, le président de l'Amérique. J'allais dire Faso. Biden, le président de l'Amérique. The president of the United States. Biden, il est le mari de sa femme. He's also the husband of his wife. Biden. Il est le papa de ses enfants. But he's also the father of his children. Mais ça ne fait pas de Biden trois entités, trois personnes. But does that mean Biden is three different people? C'est très simple à comprendre. This is very quand on parle de la Trinité, when you talk about Trinity, pasteur Aza, pastor Aza, pasteur de l'Église, he's a pastor mari of the church, de sa femme, he's the husband papa of his de wife, ses enfants, and he's the father of his dimensions. Children. He's got three mais dimensions. Ça ne fait pas de moi trois personnes. It doesn't mean that he's three different people. Je suis I am one in one. Voilà simplement, basiquement, this is basically pour que vous compreniez la Trinité. For you to understand pour Trinity. Pas aller réfléchir. Don't go and tu vas avoir so des maux de tête. Because you will have headaches. Dieu le Père, God Dieu the le Father, Fils, God Dieu the le Saint-Esprit, God the Holy Spirit, Biden président, Biden papa president, et Marie. Father and husband. On a clos ce sujet. Subject le Saint-Esprit, the Holy Spirit, qui est une autre étape de Dieu. Is another step of God. Qui est le Saint-Esprit? Who is the Holy il Spirit? Est aussi appelé le Paraclet. He's also called le Saint-Esprit the Holy est appelé le Consolateur. He's called the one who advises. Le Saint-Esprit, the Holy Ghost, il est le défenseur, he is the defender, l'avocat, he is the lawyer, intercesseur, the one who intercedes, esprit de vérité. He is the spirit of truth. Voici qui here est le Saint-Esprit. Is who the Holy Ghost is. Le Saint-Esprit, the Holy Ghost, c'est le souffle de Dieu. Is the breath of une God, des natures divines. One of the divine natures. Voici basic, le Saint-Esprit. Basically, this is the Holy Spirit. Le Saint-Esprit, the Holy Spirit, c'est une personne. Is a person. Invisible. He's invisible. Le Saint-Esprit, the Holy Spirit, il est avec nous. Is with us. Et sur nous, he's upon us, et en nous, and he's within us. C'est une personne. He's a person. Pourquoi? Why? Ephésiens 4:30 nous dit, 4:30 tells us, n'attristez pas le Saint-Esprit, do not sadden the Holy par Ghost, lequel through whom vous avez you have été scellé pour le jour de la rédemption. For the day of redemption. Donc, quand on dit n'attristez so pas le Saint-Esprit, ça veut dire que c'est une personne person. Invisible. Invisible. Ça veut dire qu'il a des émotions, il a des sensations, il se frustre, and he can get il s'attriste. He can get sad. Et une fois que vous entendez, you have to hear, et vous comprenez, and si tu n'as pas cette identité you don't have this identity, qui est personnelle, that qui est un personnage, personal,
of a person. Tu peux pas t'attrister. You cannot be sad. Tu peux pas être découragé, déçu. You cannot be discouraged. Pourquoi on vous dit de ne pas Why attrister le Saint-Esprit? Not to sadden the Holy Spirit. Tout simplement pour Simply nous dire de ne pas nous nous ne devons pas raisonner. Telling us not to reason. L'Esprit de Dieu nous dit, when the Spirit of God tells us, go. Si l'Esprit de Dieu te dit, if the viens, Spirit of God tells tu you, ne dois come, pas raisonner. You should not reason. Nous ne pouvons pas donner sens We cannot give au Saint-Esprit. To the Holy Spirit. 2 Corinthiens 1, 2 Corinthians 1, 21 à 22. Pouvez le projeter Can you show that, please? Pour la lecture d'ensemble pour toute l'Église. 2 Corinthiens, chapitre 1, chapter 1, à partir du verset 21. Starting verse 21. Je lis la parole de Dieu. I read the word of God. Et celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. 22. Lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts du Saint-Esprit. Nous nous arrêtons ici. We stop here. Et ce matin, And this morning, je vais vous parler un peu I will speak to you des arts du Saint-Esprit. Of the art of the Quand Holy ils ont Ghost. Parlé, ils ont, le verset When 22 spoke, nous a dit the verse told us, dans nos cœurs in our hearts, il a mis ses arts. He has put his earnest. Et quels sont les arts du What Saint-Esprit? Are the earnest of the Spirit of God? Nous lisons, peut-être nous ne comprenons pas. We read, but nous we avons le Saint-Esprit en nous. Nous ne comprenons pas ce us, que ça veut dire les arts. But we don't know what Mais nous allons parler de ce que c'est que les arts du Saint-Esprit. Genèse 38, 17, 20. Genesis 38, 17 to 20. Et Job 37, 3. Genèse 17, 20. À chaque Genesis fois, je vais 17, appuyer 20. Ce que je dis avec un verset biblique. I will always base what I say with a verse from the Bible. Parce que comme c'est la question du Saint-Esprit, since it faut is pas about tenir the Holy des paroles Ghost, en l'air. You shouldn't be speaking in vain. Genèse 38, 17, 20. Genesis 38, je lis la parole de Dieu. Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon, et le bâton que tu as à la main. Et il les lui donna, puis il alla vers elle, et elle devint enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla. Elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Judas envoya le chevreau par son ami l'Adullamite pour retirer les gages des mains de la femme, mais il ne la trouva point. Qu'est-ce que les arts du Saint-Esprit? What are the arts of the Holy Ghost? Très simple. Very les simple. Arts du Saint-Esprit. The art of the Holy Ghost. C'est un gage. It is something that is given. C'est un gage. Quand on chantait le chant, tout When de suite le groupe musical song, chantait le chant, ils ont out, mentionné le mot they gage said, de l'esprit. Donc, le gage, c'est quoi? What Ça is, vient généralement dans les contrats pledge, de bail, dans les contrats de marché, dans les contrats commerciaux. Entre deux personnes, between two people, il faut que le gage souvent rentre en étroite ligne. That has to enter in a straight Je line te donne ça comme gage. I give you this as a pledge. Ce qui s'est fait quoi? Avec Tamar. Like it was done with Tamar. C'est un sceau. It is a seal. Le gage, c'est comme the pledge une caution is like, que je te donne given to you pour te faire comprendre et savoir que je suis that I am partant. Mais together à 50%. But 50%. Et une fois maintenant Now, once, que totalement je me suis engagé dans le contrat, I get, le contrat devient only in a contract, à 100%. The contract comes to Comprenez 100% bien. Close. Donnez-moi un gobelet rapidement avec de l'eau. Si, Give me a cup ou bien with water. Un petit bidon avec de l'eau. Or a small bottle with water. Donnez-lui son eau parce que j'ai pris son eau.
Le jour de votre, ou bien s'il y a un autre truc, un box, je vais verser ça un peu. Ok. Ancien a dit de ne pas verser, de ne pas salir l'église, là, ça vient. Donc j'ai compris le message. Voilà. Voilà. Me voici. Here I am. C'est moi le bidon. I am the bottle. Rapidement, le temps ne va pas trop nous suffire parce que je voulais compris. Le gage là, c'est quoi? What is the pledge? Pledge is the water. Quand il dit qu'il nous a donné les arts du Saint-Esprit, une caution, avant que je ne te remplisse, je te donne la caution à moitié. Before I fill you, I give you. Je te donne un gage à moitié. I give you a pledge juste first. Juste pour t'assurer. Just to make you que c'est pas bouche-parole seulement. That I'm not just speaking or talking. Je vais aller réellement. I will truly do. Deeply and go deeply. Accomplir and accomplish ma promesse. My promise. Ce que je vous ai dit. That I told you. Donc il nous a donné so le gage comme un sceau, a pledge comme as a un seal, acompte. As an account. C'est pour cela que le jour de ta conversion, dès que tu reçois le Saint-Esprit, as soon as you the les Holy Ghost, arts du Saint-Esprit viennent en toi. Of the Holy Ghost come in you. À moitié. But halfway. Tu as le Saint-Esprit en toi. You have the Holy Spirit mais in à you, moitié. But half. Amenez-moi un autre bidon. Bring me another bottle. Avec de l'eau. Ouvre maintenant. Prenez. La caution est à moitié. So the pledge is at half. Mais une fois que tu rentres complètement dans la But présence de Dieu, fully enter la méditation de la parole, and you meditate la prière, the word, and you pray, les arts qu'on avait mis en toi that were in à you, moitié comme gage, comme account, as an account, comme caution, as a pledge, c'est pas la totalité du prix. It's not the whole c'est price. Pas la totalité du Saint-Esprit. It is not the whole of tu the Holy l'as Spirit. Mets juste à moitié you have it, ici. But only to the half level. Au fur et à mesure, but as time goes by, les messages d'affermissement, as the messages come les cours d'école de dimanche, le baptême d'eau, with the baptism la Sainte Seine, with the Holy ta fidélité, with your la crainte de Dieu en ton cœur, au fur et à mesure, ajoute l'eau. More and le Saint-Esprit en toi grandit, Holy Spirit in you grows, grandit, and grows, grandit, and grows, grandit. And arrête grows, maintenant. And stop. Et arrive maintenant à un autre and niveau. To a higher level. C'est dans Ézéchiel 47. Ezekiel 47. Les chevilles, genoux, hanches, et ça te submerge. Là, la plénitude du Saint-Esprit. Pour parler en langue. Speaking in tongues. Si tu ne parles pas en langue, ça ne veut pas dire if que tu n'as pas tongues, le Saint-Esprit. Doesn't mean you don't have the Holy non, Spirit. Tu as le Saint-Esprit. You have the Holy Spirit. Mais il n'est pas encore arrivé à un certain niveau. A certain level. Pour déborder. To overflow. Pour que tu parle en langue. For you to speak in tongues. Maintenant, au now, moment, un an, deux ans, d'autres même, year, years, ils ont la, le baptême du Saint-Esprit, some people have the baptism of the le Holy jour Spirit, même de leur conversion. The day they get converted, une semaine ou un mois après leur conversion. One week or one month after sans their conversion, même être baptisé d'eau. Without being baptized with water, disent dans la maison de Cornée, in the house of Cornelius, peut-on refuser le baptême d'eau refuse the baptism à of celui water, qui parle en langue? To those who speak in non. Tongue, no. Cornée et sa famille, ses amis, Cornelius and his ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Quand Pierre enseignait, when Peter pendant teaching, même le message, the message, tu peux être rempli du Saint-Esprit. You can be filled with the Holy Spirit. N'a pas besoin d'attendre même la prière before et l'imposition prayer, des mains de 1 Jean 2, 20 et 27. And the laying of hands. Je suis rapide. Bon, tu me connais. Alors, so, c'est ma langue française. Donc, au fur et à mesure, as time goes by, ajoutez-le. Add water. Que vous grandissez dans la foi. You grow in faith. Quand on parle du baptême du Saint-Esprit, speak about the baptism of the au Holy fur et Spirit, à mesure, as time goes by, arrête maintenant. Stop now. C'est ici à ton cou. It is at your neck. Quand tu pries à des moments, when you pray sometimes, on dirait tu veux parler une autre it's langue, like you want to speak another tu ne tongue, parles pas, but you don't speak it. Tu retiens, you hold it back. Ce n'est pas encore rempli complètement. It is not filled all the way. Et au fur et à mesure by, que tu es fidèle, faithful, crains de Dieu, refermis, méditez la parole de Dieu, word, le Saint-Esprit ajoute. Go ahead and add. Ajoute encore et encore. Maintenant tu es rempli now, du Saint-Esprit, ça déborde et tu parles en langue. And you speak in tu parles en langue. And you speak in tu parles en langue. You speak in tongues. C'est ça that is la plénitude de l'Esprit. The fullness of the maintenant, Spirit. Now, quand je parle de when en I nous, speak of in, within us, Ézéchiel 36, 25, 26, 36, 27, et je parle de sur and nous, I speak of, Acte 1, 8. At 1 et je parle de en nous, speak of within us, Jean 14, John 14, l'eau là est dans la boîte. The water is inside the bottle. L'eau est
sur la boîte. The water is on the bottle. Et l'eau est avec la boîte. And the water is with the bottle. Voici les trois éléments. Those are the three Saint-Esprit elements of the Spirit in us. En, avec, within, et sur. And upon. C'est un peu saisi. Is it understood? Si vous avez saisi, réagissez. If you received it, react. On dirait que mes messages vous hypnotisent. It's like the message is hypnotizing you. Quand l'Esprit de Dieu vient, when the Spirit of God comes, sur toi, on you, le jour de ta conversion, the c'est day là. Of your conversion, au fur et à mesure, no, l'affermissement, la crainte de l'Éternel, méditer la parole, prier, vous allez voir que ça monte, ça monte, up, ça monte, ça arrive ici. And it gets to your neck. Un effort de fidélité, and then if de méditer faithful, la parole, de crainte, and then you're fearing ça of déborde. God. Then it overflows. Quand ça déborde, when it overflows, on parle maintenant, on passe de la plénitude au revêtement. From the fullness to the, Jésus étant revêtu. Jesus being il avait la plénitude up, et maintenant il est revêtu. Parce que le moment où il y a le revêtement, up, c'est quand ça déborde, is when it ça coule sur ton corps and it flows et ça s'appelle le revêtement. It is a dress up. C'est là maintenant que l'onction se dégage. Comes out. Tout personnage ecclésiastique, all ecclesiastical, il a les arts du Saint-Esprit has en lui. The art of mais c'est the Spirit, à lui but it is your job de le faire grandir. To make it grow, grandir. And grow, grandir. And grow. Tant que ça ne grandit pas, if you don't le grow, voile qui est ta chair, the veil which is your les raisonnements, flesh, your reasoning, ça fait que diminuer. Will make the Holy Spirit in you diminish. J'ai oublié que tu es parti avec l'affaire là. I forgot that you left with it. Il y a un dernier truc que je veux. There's one last thing I want to say about that. Il y a des chrétiens dans l'église. There are Christians in the church. Et vraiment, je n'en veux pas. And I don't blame anyone. Et je prie que toi aussi tu n'en veux pas et and que I, tu ne sois pas ainsi. And I pray that you don't be like that. Voilà. I don't want them in the church. Il a parlé en langue pendant 10 ans. For 10 pendant years, 15 ans. 15 years. Mais ses attitudes. But their attitude. Est-ce que tu sais que tu peux parler en langue you know et à un moment donné tu ne parles plus en langue? And stop speaking in tongues. Est-ce que vous savez ça? Did you know that? Donc au fur et à mesure, so as time goes by, ta consécration, that you're ton engagement, and you're ta détermination, and you're determined, la façon dont tu aimes Dieu, the way you love au fur et God, à mesure, as time goes tes by, raisonnements, your reasoning, tes jugements, your judgments, c'est nous on a vu l'Église, oh, we have seen l'Église the church, est née sous nous oh, ici. The church was born under us hier here, quand on priait, les démons sortent. When we were praying yesterday, hier demons quand were coming out. On venait, on jouait yesterday, aux instruments, beaucoup de miracles s'opèrent. A lot of miracles happened. Ces genres de chrétiens, il y en a plein. Those kind of Christians les are, chrétiens déchus. Plentiful. Les chrétiens déchus. The Christians that have been cast away. Priez en langue. They pray in tongues. Des pasteurs, il y en a en pagaille. The pastors like mais that. Au fur et à mesure, but as time goes by, ils s'éloignent de Dieu. They get further away mais from God. Le service ne lui part pas. But the service stays. Les dons ne lui quittent pas. The gifts are not leaving. Parce que la parole de Dieu nous dit, because the God, the word Dieu of God ne se repent pas God does not de ses dons of his gifts et de son appel. And if his call, ses dons his et de son appel. And his call. Il ne se dément pas. Il ne retire pas. Quand il donne, il a donné. If he gives, he gives. Saül n'était plus roi. Saul was not a king mais anymore. L'onction est toujours là. But he still had c'était toujours loin de l'Éternel. He was still the anointing et David of the dit, Lord. The malheur à moi si je touchais loin de l'Éternel. I am cursed if I touch those who are anointed le qui a parlé en langue hier, the one who spoke in tongues performé des miracles hier, and made miracles aujourd'hui, yesterday, ne parle plus en langue. Cannot speak il est dans l'église. He's in the church. L'Esprit de Dieu the Spirit of God est parti. Is gone. Il parle plus en langue. He doesn't speak in tongues il est anymore. Assis. He's seated there. Il est devenu but he's an empty bottle. Quand on prie, when we pray, il sait prier. They know how to pray. Quand on parle en langue, when you speak in tongues, il parle en langue. They speak in tongues. Mais but c'est les anciens restes du parler en langue. It is the old remnants of the yesterday speaking in tongues. Est-ce que vous comprenez? Do you understand that? C'est très simple. It is very simple. Même quand le piment finit dans un sac, even if there's no more hot pepper in a mets bag, ta tête et narine dedans, put your nose in the bag, tu vas exténuer. You will comment, sneeze. Comment? Whatever happens. Donc, un ancien chrétien rempli so, du Saint-Esprit, an old Christian who was qui n'a plus the l'esprit, Spirit, qui parle plus en langue, who doesn't have the Spirit s'il est assis anymore, à l'église, if he's in church, il connaît la parole, he knows the word, il peut prier, he can pray, il parle même en langue, he speaks in tongues, mais il est vite.
But he's empty. Il faut des yeux spirituels you pour le repérer. Spiritual eyes to see them. Sinon, tu vas dire, oh, yeah, le frère wow, là, brother, oh, la sœur là, oh, this sister, yeah, le Seigneur l'utilise. Wow, the Lord is trois them. Éléments. Three elements. Si vous voyez cette personne, il n'y a plus le pardon. Il n'y a plus l'amour no more love. Et la foi. And faith quand ces trois éléments, vous ne voyez pas ça dans le frère ou la sœur qui parle en langue. Ce sont ces anciens restes d'hier du parlant. Those are the old remnants of that person that you see now. Voici les trois éléments. Those are the three elements. Ça n'est pas de parler en langue. It's not about speaking in tongues. No. Les trois éléments d'une église. The three elements of a church. Des chrétiens. Of a Christian. La foi. Faith. L'amour. Love. Le pardon. And forgiveness. Si on ne voit plus l'amour en une sœur, un frère, même s'il parle en langue, il donne des visions. Moi, pasteur, je le bloque. Vision, même si maintenant je reçois, je t'ai déçu. Even if they give je veux voir ton attachement. I want to les see fruits. I want to see que the le service, que les dons, que le parler en langue. Quels sont les fruits? L'amour, c'est le premier des fruits du Saint-Esprit. Quand il n'y a plus l'amour en toi, no more love en tant que frère et soeur, ou une église, où il n'y a plus l'amour, le Saint-Esprit ne demeure plus. C'est fini. It is over. Dans une église in a church, où il n'y a plus la foi, no le Saint-Esprit n'en parle plus. Dans une église où il n'y a plus le pardon véritable, c'est fini. Donc quand vous voyez ces chrétiens dans l'église, ce sont parlés en langue d'hier. C'est sa foi d'hier. And faith is from yesterday. Yazam and Rodo. C'est le courage d'hier. It is the courage of yesterday. On veut le courage d'aujourd'hui. We want the courage of today. Le lion d'aujourd'hui est we là. Want the lion of today. Le courage d'hier. The courage of yesterday. C'est pas évident. Is not gonna help. C'est pour cela, chrétien. Why, Christian, entre nous, sœurs, among us brothers observez and sisters, vos vies. Observe your life. Observe toi-même ta vie. Observe your life. Est-ce qu'il y a la foi? Is there faith? Est-ce qu'il y a l'amour? Is there love? Est-ce qu'il y a le pardon? Is there forgiveness? C'est des choses inconditionnelles, inchangeables. Tu montes, tu descends. C'est up, une vérité down, universelle, biblique. It is a universal truth. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi en toi? Aimez-vous les uns les autres. Love c'est le commandement nouveau que je vous that laisse. Is the new commandment I give pardonne ton frère ou comme ta soeur. Car si tu ne le pardonnes pas, moi, them, Dieu l'Éternel, je te pardonnerai plus. Will not forgive you même either. Si tu lis tes dons, tes prophéties, even tes visions, tu me donnes, je reçois, je m'assois those, dessus. But I will sit on them. Nous voulons voir les fruits. We want to see the fruit. Le Saint-Esprit, c'est the un esprit qui a ses arts. Ghost et quand ces arts sont arts, en toi, and when the arts of the spirit are in you, hop. Il est midi 35. It's 12:35. Wow. Ok. Nous allons nous tenir debout. Let us stand together. Je voulais qu'on prie. I want us to pray. Je vais demander au groupe musical de venir. I'll ask the musical group to come forward. Le numéro 55. And the number 55. Comme une terre altérée. Et je vais demander parmi le groupe musical. As a dry. Et parmi l'assemblée. Among tous ceux qui ne sont group, pas encore remplis du Saint-Esprit, yeah, de s'avancer devant. Nous allons prier pour le baptême du Saint-Esprit. We'll pray for the baptism of the Holy Spirit. Those who don't speak in tongues. Et qui soupirent pour être baptisés du Saint-Esprit. Be baptized of the Holy Spirit. Please come forward. If you don't speak in tongues and would love to be baptized with the Holy Spirit, please come forward. Je répète. And I repeat. Même parmi le groupe musical, even among the musical group, tu n'es pas encore rempli du Saint-Esprit. If you are not filled with the Holy Spirit, dépose le cantique, put down et the book, devant. And come forward. Que tu sois baptisé d'eau ou que whether tu sois pas baptisé d'eau, of water or not, ce que je vais vous demander, what I will ask you, are you speaking in another tongue? Come here. Je vais vous demander. I will ask you. Venez devant. Tu vas chanter alors. You will sing. Désiré. Brother Désiré. Faut vous avancer, s'il come vous plaît. Forward, please.
demander à tous ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. All those who are filled with the Holy Spirit. Pendant les moments de prière. During the times of prayer. D'entourer les sœurs et les frères. Surround the brothers and sisters. Je vais vous dire une chose. I will tell you one thing. Comment ça se manifeste? Comment ça se passe? Does it happen? Pendant les moments de prière. During the times of prayer. Si tu es inspiré réellement. If you are inspired truly. Si tu veux réellement la plénitude de l'Esprit de Dieu. The fullness of the Spirit of God. Ton cœur. Open your heart. Ne raisonnez pas. Do not reason. Un exemple simple. I have a simple example. C'est comme le jour de l'accouchement. It's like the day of giving birth. Y a pas de honte. There is no shame. Y a pas de honte. There's no shame. Le docteur dit déshabille-toi. Non, j'ai honte. Oh, I'm ashamed. Je veux pas enlever ma jupe. I don't want to take off my dress. Tu ne connais rien d'abord. Quand le bébé va vouloir sortir, baby will be about to come il n'y a pas de honte dans ça. There's no more shame. C'est toi-même qui vas commencer à enlever you tes habits. You will be the one tearing out your clothes. C'est la même chose. It's the same thing. Le Saint-Esprit ne viole pas quelqu'un the comme un homme viole sa femme. Doesn't violate people like a man can faut violate his wife. Faut que tu écartes seulement tes jambes et tu acceptes. All you have to do is open rampe. Your legs la même and chose. Let the Holy Spirit. C'est des exemples take qui sont you. Un peu bizarres. These are examples that are funny and weird, but it's quand how tu, it is. Quand tu refuses, l'homme te viole. If you receive, you refuse le a man, the man will te violate violera pas you si tu refuses. Or rape you, but the Holy Spirit will never rape or violate. Jamais. Never. Il vient celui qui a ouvert son cœur. He wants those who open their heart. Et qui veut parler en langue. And who wants to speak in tongues. Celui qui ne parle pas en langue, qui those ne parle pas en langue. Who don't speak in tongues. Il est limité. Are limited. Il est limité. They parce are limited que because c'est des mystères que those tu dois are dire à mysteries Dieu. That you're telling God. Des mystères. Mysteries. Et celui qui prie en langue. And those who speak in tongues. Se fortifie. Strengthen themselves. Ils s'édifient. They edify themselves. Ils se construisent. They build themselves. Ils se bâtissent. They build themselves. La plénitude de l'esprit. The fullness c'est très of the spirit important pour is le chrétien. Important for a Christian. À Azusa Street. In Azusa Street. En 1908. Oh, 1906. Charles Force Parham. Charles Force Parham. William Seymour. Yeah. Les promoteurs du baptiste de parler en langue. Those who promoted the speaking in tongues. Il y a eu une explosion. There was an explosion. Après celui du Pentecôte de Actes 2, after Acts 3, second, and 3 celui verse 3, qui a suivi, what followed c'est celui d'Azusa Street. Was what happened in Azusa Street. Église du 21e siècle. Church of the 21st century. Soupirez après le Saint-Esprit. Seek the Holy Ghost. Chrétien du 21e siècle. Christian of the 21st century. Soupirez après le Saint-Esprit. Seek the Holy Ghost. C'est très important. It is important. Alors vous pouvez commencer à jouer, à chanter. So you can start and singing. Vous pouvez commencer à chanter comme une terre altérée. Comme une terre altérée. Soupir après. Un moment où tu vas te relaxer avec ce chant. Si tu connais chanter, tu te relaxes avec ce chant. Peut-être quand je vous ai appelé de venir, quelqu'un est frustré, quelqu'un est. Son esprit est dans les vapeurs. Il est en train de penser, il est en train de dire quelque chose. Donc. Relaxez-vous. 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 Relax. Relaxez-vous. Relax. Relaxez-vous. Relaxez-vous. Relax. C'est pas compliqué. It is not complicated. Sois présent seulement. Be present here. Et connectez-vous. And connect yourself. Et ceux qui sont remplis maintenant du Saint-Esprit. Those who are filled with the Holy Spirit. Je vais vous demander de les entourer. I will ask you to surround them. Je vais vous demander de les entourer. I will ask you to surround them. Ceux qui sont remplis du those who are filled with the Holy Spirit et qui parlent la langue, and who speak in tongues. Kossi, Brother Kossi, aide-moi avec les interprètes pour les dames là. Help me to interpret with ceux the ladies. Sont those who are filled with the Holy Spirit, les entourer. Come and forward and surround them.
les intercesseurs appelez Dodi qui est dedans. Appelez Dodi qui est dedans. Call the brother that he's inside. Et je vais vous demander, and I will ask you, veillez sur les sœurs, veillez sur tout le monde, ceux qui sont derrière. Everyone, ne laissez pas quelqu'un tomber pour se blesser. Anyone fall and hurt themselves. Il faut veiller, être please attention, watch, puis prier. And pray. Le baptême du Saint-Esprit, vous êtes rempli du Saint-Esprit. Ghost, vous n'avez pas besoin Holy de fermer vos yeux you pour don't need prier to close en your eyes. Ça, c'est la religion. Vous pouvez prier you en observant. While watching. Ce que les gens puissent être remplis du Saint-Esprit. So ceux qui portent des lunettes, retirez vos those verres, s'il vous plaît. Glasses, you can remove your glasses. Chantez le chant avec vivacité. Chantez le chant avec vivacité, s'il vous plaît. Nous sommes en train d'appeler déjà le Saint-Esprit à travers ce son. We are calling the Holy Spirit through this song. C'est le moment de prière du baptême pour baptiser les gens soient remplis du Saint-Esprit. To baptize people so they can receive the Holy Spirit. Enlevez ses lunettes, s'il vous plaît. Please remove the hair glasses. Descendez sur nous tous, ô divines ondes, venez arroser nous, fraîche rosée, descendez sur nous tous. Ô divines ondes, venez arroser nous. Pendant que maintenant vous êtes relaxé, où le speed limit de vos cœurs sont réduits, the speed limit of your heart is down. Maintenant, now, écoutez-moi. Listen to à un moment donné, la prière. At the time of tu vas vouloir parler en langue. The speaking in tongue une parole will va vouloir venir. The word will come. Mais il y a la voix de l'accusateur qui va te but dire. The voice of the accuser non, c'est pas comme you, ça le parler no, en langue. This is not how you speak in tongue. Ça parle pas comme ça. No, this is not how you et speak tu as honte de dire. You are ashamed to say tu as peur de dire. You le voisin va entendre. It. Your neighbor will hear it. Et repousser cette voix and then you will push that qui est en train de voice. Vous bloquer pour que vous ne soyez pas rempli du Saint-Esprit. Push that voice back that is rocking pour le début, ça se passe comme ça. That is how it happens in the beginning. Alors, ouvrez so, votre cœur. Open your heart. Quand vous entendez une voix qui est en train when de vous dire, ne parle pas, that ne say, dis don't pas, speak, don't repousse say, le, ne l'écoute pas. Push back that va voice. Et parle en langue. Laisse ta langue se délier. Let your tongue be free. Ne tais pas toi-même le Saint-Esprit. Do not shut the Holy Spirit. Ne tais pas toi-même l'Esprit de Dieu. Shut the Spirit of God. Ne le bloque pas toi-même. Block the Spirit commencez of God. À prier. Start praying ce now. Que tu vas prier, when you will pray, Saint-Esprit remplis-moi. En ouvrant ton cœur, soupire et aspire. Call and hope and really trust him. Désire seulement. Desire to c'est have une him. Promesse. It is a promise pour nous et pour nos enfants. For our children et toutes and for les promesses de Dieu. Elles sont oui et amen. Yes and la amen. Plénitude de l'Esprit de the Dieu. C'est Holy une Spirit. Promesse. It is a promise. Oui et amen. Yes c'est and Dieu amen. Qui remplit. L'a déclaré dans sa parole. He je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai mon esprit. Je vais souffler sur vous. Vous allez recevoir le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Priez maintenant. Pray now. Priez maintenant. Pray now. Soupire maintenant. Pray now. Soupire maintenant. So, ceux qui sont autour et qui sont remplis de Saint-Esprit. Priez en langue. Vous êtes déjà baptisé. Prenons l'atmosphère spirituelle. Let us spread the atmosphere que ce matin, vous soyez touché. Rempli du Saint-Esprit. La plénitude de l'Esprit. De Moïse aux 70 anciens. L'Esprit de Dieu fut transposé. L'Esprit de Dieu fut transmis. De Paul à Timothée. L'Esprit de Dieu fut transmis. De Moïse à Josué. Moses to Joshua. Et ce matin maintenant, and this morning, je prie dans le nom de I Jésus. In the name of Jesus. Remplis ton église. Build your church. Remplis tes enfants. Build your children. Saint-Esprit. Holy Ghost. Je te prie. I pray to prends you. Ton chemin.
Prends ton chemin. Prends ton chemin. Prends ton chemin. Remplis maintenant. Souffle maintenant. Souffle ta présence. Souffle ta présence. Holy Ghost. Je t'appelle. Holy Ghost. Je t'invoque. Remplis les femmes. C'est une promesse. Les filles et les fils. Les jeunes gens. Young les people, vieux, vont prophétiser. Avoir la vision. Au nom de Jésus, je prie maintenant et je déclare, recevez le Saint-Esprit, recevez la plénitude de l'Esprit, là où tu es, reçois la touche, reçois la touche, reçois la touche, et je commande maintenant, à ta langue. De se délier, that your tongue is free. Your tongue de se délier, free, 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 délier, Fire, 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 en disant, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Je relâche maintenant l'onction du Saint-Esprit. Je relâche maintenant la flamme et le feu. La flamme et le feu. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Fire. Je brise. Reçois la plénitude de l'Esprit. Reçois la touche. Lucha Katabash, Pedro Kutamarabash, Faira Bashindawas, Vilias Kutaba, Peris Kundara, Lukabaya Sangaraba, Vila Marabalaya Sikatabash, Lukamarabalaya Taya Saida, Lipurabaya Skandawash, Ni Saida Bandawa, Si Sabah, Feu, chantez avec foi et persistance, Kimarabalayandash. Dimanche, fais changer, relâche, ta présence, fire, Holy Ghost! Holy Ghost! Holy Ghost! Holy Ghost! Holy Ghost! Peace, Sakaman! Peace, Layabash! Peace, Kandarabash! Jésus, envoie ton esprit! Envoie ton souffle! Relâche! Feu de Dieu! Esprit Saint! Descends! Fire! Peace! Peace! Kurabanda Rabash! Peace! Mai Tukabarayash!
Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Saint-Esprit, Holy Spirit, prends ton chemin. Take your way. Prends ton chemin. And make your way. Touche maintenant. Touch now. 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 Ne joue plus. Touche maintenant. Touch now. Touche maintenant. Touch now. Touche maintenant. Touch now. Touche maintenant. Touch now. Je relâche. I release. Relâche. Release. Relâche. Release. Relâche. Release. Relâche. Release. Je relâche. Release. Recevez. Recevez. Le souffle. Le souffle. Le souffle. Le souffle. Le breath. Souffle de l'esprit. Souffle de l'esprit. Souffle de l'esprit. Recevez. Ouvre ton cœur. Reçois. Laisse-le te toucher. Let it touch you. Kaitouman, la itou katabash. Reçois la touche du Saint-Esprit. The touch of the Holy Spirit. Le feu. The fire. La iskaraba. L'onction te touche. The Lord te saisit. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Receive the anointing. Recevez l'onction. Receive the anointing. Recevez l'onction. Receive the anointing. Limash. La yamash. Recevez l'onction. Ouvrez vos bouches et priez. Ne fermez pas vos bouches. Don't close your mouth. Open your mouth and pray. Push. Recevez. Receive. Recevez. Receive. Recevez. Receive. Recevez. Receive. Recevez. Receive. Recevez. Receive. Recevez. La plénitude, le feu et la flamme. Recevez. Receive. Recevez. Receive. Par la foi, by faith. Reçois la touche de l'Esprit de Dieu. Touch of the Spirit. Dans la main de celui de Paul. Amen. 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 Gloire à Dieu. Glory to God. Suivez-moi ici, s'il vous plaît. Follow me here, please. Qui pendant ces moments de prière, who during these times of prayer, il a constaté que has il a fait sortir une parole inhabituelle. That is not used, n'a pas l'habitude usual to them, that they're not de prier, used to, de faire sortir. That they haven't brought out. Toi-même, tu sais que ce genre de parole n'est jamais sorti de ta bouche. Pendant ces moments de prière, prayer, qui a pu faire sortir des paroles inconnues, inhabituelles, et sortir de ta bouche? Lève ta main. Words that are unknown to them. Raise your hand. Lève ta main. Raise your hand. Lève fidèlement, faithfully, sincèrement, sans hésiter. Without hesitating. Raise your hand. Il y en a aussi qui peuvent être remplis de ce, mais ils ne savent pas. Some may be filled of the Spirit, but they don't know. Levez vos mains. Raise your hands. Celui qui sait qu'il a parlé une parole différente. Those who know they spoke a different word. Ok, ceux qui ont levé leurs mains, allez-y vous asseoir. Those who maintenant, their je vais hands, prier la deuxième tranche. Go sit down. Cette now fois-ci, I'll je vais procéder à l'imposition des mains. And I will lay my hands. 1 Jean 1 John 20 second. On saute, on lit 27. And we skip, we read 27. L'Esprit de Dieu que vous avez reçu par l'imposition des mains. Of God that you la première partie, your hands, the first hand, the je n'ai pas hand. Imposé les mains. I did not lay my hands mais cette fois-ci, but this time, je vais imposer les mains. I will je vais vous demander, and I will ask you, ouvrez vos cœurs. Open your hearts. Arrêtez-vous derrière Madame Sergio, s'il vous plaît. Please, stand behind sister. Vous ne connaissez pas Madame Sergio? You don't know. La vice-présidente, là, tu ne la connais pas. D'accord. Cette fois-ci, this time, je vais vous demander I'll ask you d'ouvrir vos cœurs. To open your hearts. S'il vous plaît. Please. L'Esprit Saint, ça se transmet. The Holy Spirit is transmitted. Ça se transmet. It can be transmitted. Ça dépend de toi aussi. It depends on you though. Dispose ton cœur. You have to ready le même your chant, heart. The same song. Encore, raise again. Encore le volume. Augmente le volume. Et nous allons encore commencer à prier. And we'll pray again. Le temps n'est pas assez. Time is short. Et je vais prier, imposer les mains. But je vous demande d'ouvrir vos cœurs. I will ask you to open your heart. Soupirer. And
soupirer. For ceux qui sont autour, those who are around, prier en langue, pray in tongues, et pour créer une atmosphère, la plénitude de l'esprit. For the spirit. Père, Father, tu nous as promis ton esprit. You have promised us your spirit. Tu as dit que tu ne vas pas nous laisser orphelins. That you wouldn't leave us orphans. Et quiconque and whoever te désire desires et soupire wishes comme for une you biche as a soupire wishes après le courant d'eau for water, quiconque whoever a une vie altérée has a life that is dry, desséchée that is dry. Tu as promis ton esprit you have promised your spirit et les arts de l'esprit and the arts of the spirit. Saint-Esprit, Holy Ghost, tu as été promis, you were promised, tu nous as été envoyé. You were sent to us. Jour de la Pentecôte. The day of the Pentecost. Nous avons vu des langues de feu. We saw the tongues of fire. Saisis tes enfants. Hold your children. Père. Father. Que le cœur desséché. Let the dried heart. Le cœur aride. The drought heart. Reçois maintenant. Receive la fraîche rosée. The fresh la fraîche rain, rosée. Fresh rain. Il y a l'onction. The anointing. Il y a l'huile. That is the oil. L'eau. The water. La pluie, le feu. The rain le fire, vent. The wind. Faites tes arts. The art. Faites tes symboles. Your touche. Touch somebody now. Touche quelqu'un maintenant. Touch somebody now. Par l'autorité divine. By the authority given. Maintenant. Now. J'appelle le Saint-Esprit. I call the Holy Spirit. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Comme tu m'as envoyé. As you sent me. Déposez les mains aux malades. Lay hands on the sick. Déposez les mains. Lay hands. À tous ceux qui aspirent. Who wish. Au nom de Jesus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Par ta permission. With your permission. Je pose les mains. I lay reçois my hands. Taïs receive. Kataman. Reçois. Receive. Taïs Kataman. Fire. 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 Taïs Kataman. Venez s'il vous plaît. Complete. Fire Kabash. Fire Kabash. Prends, 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 prends. Reçois, reçois, reçois. Receive, receive, receive. Reçois, reçois. The lay of hands. Fire, receive, fire, fire. Receive, receive the fire. Fire, receive, fire, receive. Peace. Kabarababash. Likatabashai narabash. Limarabayas kutaban. Faidabandawashakaban. La plénitude de l'esprit. The fullness reçois of the spirit. La plénitude de l'esprit. The fullness. Le feu et la flamme. Fire and flame. Touché, 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 parle, libash, kabana, libash, la maraba, tayaman, lukata maraya saïda, le kimaraba saïda, disposez vos cœurs, ready your heart. Pour qu'il y ait une connexion, there has to be a connection, pour qu'il y ait une réception, there has to be a reception, paï tu kanda rabalaya sham, li gindiriandu kababash, le broyanda karabashinda rayas. Jésus Christ de Nazareth. Jesus Christ of Nazareth. Relâche ton onction. Release your onction. Relâche ta présence. Release your presence. Souffle de Dieu. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Receive reçois maintenant. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Touche. Touche. Touch. Touche. 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 Priez. Ouvrez vos oreilles. Priez. Open your mouth. Luka tabashaya raban. Priskutamarabalaya shandaraban. Aspirez, désirez. Wish for him. Vous-même montrez l'intention que vous voulez la plénitude de l'esprit. Ne m'observez pas comme une télévision. As a TV. Ça ne se passe pas comme it doesn't ça. Happen like this. Soi-même manifeste l'envie. You have to show the desire. Et réellement envie. Have the desire. C'est pas le pasteur qui donne. It's not the pastor who c'est le Saint-Esprit. The Holy Spirit c'est une promesse. It is a promesse. Et la promesse est faite pour toi. And the promise is et for tu es you. Fidèle dans sa promesse. Are you faithful? Recevez la promesse civile. The promise, la plénitude de l'Esprit de Dieu est une promesse. The Spirit of God is a promise. Fire, come on. Fire, bash. Fire, bash. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, reçois, touche, reçois, reçois, par les positions des mains, through the lay of hands, Limarabayas Kotabayas, Farita Katuman, Lukanda Rabayashiata, Firabata Karabash, Hairia to Karabashida, Likiria Marabash. Fayandarabash, Lirabasha Katabas, Lereandu Kabash, Esprit Saint, touche maintenant, touche maintenant. Reçois la plénitude de l'esprit. Reçois la plénitude de l'esprit. The fullness now. Reçois l'esprit de la plénitude de l'esprit. Fullness of the le feu de l'esprit. La flamme de l'esprit. The flame. Reçois. Receive. Reçois. Receive. Reçois. Receive. Reçois. Receive. Délier. 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 Oshandarayasai. Holy Ghost, touche. Saint-Esprit, touche. Holy Ghost, saisis. Saint-Esprit, hold. Reçois la flamme. Receive the flame. Feu descend. Receive. Feu descend. The fire. Feu descend. Fire. La plante de tes pieds au sommet de ta tête. Feu. Fire. Feu. Karabash. Feu. Riasakaban. Fai karabandawas. Lokita mandabayashanda. Perita karabash. Holy Ghost. Pillar.
by your presence. Remplis la de ta présence. Take control. Have your way. Control. Have your way. Touch, voilà. touch. Listen. Lumarabash. Speak. Parle. Speak. Parle. Don't shut your mouth. Don't close your mouth. Speak. Ne ferme pas la bouche. Dis quelque chose. Lukatabash. Parle à tout kabashanda. Lebrayas kurabanda wasanda. Feri marabashiatas. Lori katabashandara. Paria tu karabashayeda. Marisa karabash. Parisa karabashinda. Peri marabashandarabas. Spirit of fire. 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 Touch la. Touch her. Rappelez la. Reveal her. Reçois. Receive. Reçois. Receive. Reçois. Receive. Reçois. Receive. Reçois. Receive. Reçois. Fire. 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 Lukanda rabalabashi tarabash. Praya tapaya skindaraban. Lord sky taba ituman. Praya sakatabashiata. Lora itikitabashae. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Thank you Lord. Saint-Esprit, merci. Holy Ghost, thank you. Que toute la gloire te revienne. May the glory be yours. Amen. 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 Ma question est la suivante. My question is this. Durant cette deuxième, during this second est-ce que time, quelqu'un à travers l'imposition des mains, did someone through the lay of hands, a eu à parler une parole différente? Get to speak a different l'imposition tongue. Des mains. Through il y a the eu lay une plénitude. Was there a fullness? Et il n'a pas l'habitude de parler ainsi. And you're not used to speaking lève like ta this. Main. Raise your hand. Lèvez vos mains. Raise your hand. Fidèlement. Faithfully. Deux personnes. Two people. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Acclamons le Seigneur. Let's clap for the Lord. Amen. Je vais vous inviter à rejoindre vos places. I will invite you to join your place. Je vais vous demander. And I will ask you. À nous tous. All of us. Sommes venus ici. We came here. Ça se construit. It is built. Ça se multiplie. And it is multiplied. Ça se construit. It has to be built. Ça se multiplie. It has to be multiplied. Il faut l'expérimenter. You have to experiment en priant en langue chez toi à la maison. Praying in tongues in your home. Il faut le construire. You have to build it. Il faut l'entretenir. You have to ceux keep qui ont été it. Remplis du Saint-Esprit. Those who were filled with the Holy Spirit. Ne lâchez pas. Do not release. Ne lâchez pas. Do not release. S'il vous plaît. Please. S'il vous plaît. Please. Maintenant à ceux qui n'ont pas reçu. Now to those who have not received. Ça n'a commencé que vendredi nuit. We only started on aujourd'hui, Friday c'est notre réelle première séance. Today is our true. Je vais vous first. Demander de ne pas vous décourager. I will ask you not to get discouraged. De ne pas dire non, il m'a pas rempli. And say, oh no, he didn't fill touché, me up. He hasn't touched pas, me. Non. No. J'ai vu l'onction déjà saisir certaines personnes. Anointing catch some people already. Mais c'est le parler là qui n'est pas but arrivé. But the speaking is not there yet. Si tu es fidèle, if you are faithful, et tu avances au fur et à mesure, and you go forward slowly d'ici la but fin surely, du programme, by the end of this program, de of Pentecost, je sais que tu vas parler en langue. I know that you will speak ta in langue tongues, sera déliée. And your tongue will be free. Excellent Père, je te bénis. Heavenly Father, I bless you. Et je te magnifie. And I pour ce moment merveilleux que nous avons passé en ta présence. Merci Saint-Esprit thank you, de nous avoir dirigés. En us. Ce moment, voici now, ton peuple here is your people, que je te renvoie. That I send back ceux to que you, tu as sauvés. Those that you have prie saved, fort de ton sang. By your blood, excellent berger. Heavenly shepherd, et moi, le petit berger. And me, the small que tu m'as donné shepherd, la charge. You have given me the je te les remets entre tes mains. I give them back pour toute la semaine. For the entire week, les années à venir. And for the years leurs to allées et les retours. Back and forth, je te prie que tu sois présent. I pray that you're present, comme tu l'as toujours été. As you've always been. Hier, aujourd'hui, éternellement. And today, and tu es le même. You are the same. Je te remercie. I thank you. Je te prie pour ces frères et sœurs. Brothers and sisters, qui ont été touchés, visités par la plénitude de l'Esprit. That were visited by the fullness of the Saint-Esprit. Holy Spirit. Conduis-les. Lead them, dirige-les. Direct them. Continue de prendre ton chemin dans leur vie. Take your way in pour la gloire de for ton the glory nom. Seigneur, je te bénis Lord, pour la vie de toutes celles, tous ceux qui soupirent et jusque-là, ils n'ont pas encore reçu. Saint-Esprit, tu donnes Holy Spirit, selon ta guise. Based on your tu donnes will. À ton temps. You give Seigneur, on your mon time. Dieu, je te prie, Lord, I pray, façonner ton temps dans leur please, vie let your time come afin in their que Père, ils puissent so être remplis Lord, they can be et revêtus
and dressed up. La présence du Saint-Esprit. The presence of the Holy Ghost. Toute la gloire et l'honneur te reviennent. All the glory comes to you. J'ai prié. I have prayed. Amen. Amen. Amen.